Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir, bienvenue dans le Tenchi World ce soir, un Yokoso spécial. Nous accueillons Saphir avec nous pour parler du thé. Comment tu vas, Saphir? Eh bien, bonsoir à tous, ben, ça va très bien. Et puis en plus, on va parler de thé, la chose que je bois toute la journée. Donc écoute, ah bah voilà, on est totalement dans le sujet. On va se mettre une petite musique calme, sympa, pour avoir un petit fond sonore cool et libre de droit, un peu de piano, ça te va? Voilà. J'aime beaucoup le « et libre de droit ». Et libre de droit. Je précise. Alors, voilà, on a un petit fond sonore sympa. Je vais un peu le baisser parce que je l'ai un peu fort, je sais pas pour toi. Voilà. Moi, je l'entends pas. Toi, tu l'entends pas, c'est parfait. C'est parfait. Eh bien, bonsoir à tous. Ils sont déjà tous là. Ils sont déjà tous arrivés. C'est fou. Qui est-ce qu'on a? On a Kedna. On a Soupe à la soupe. Ben, c'est bien, c'est de la soupe à la soupe. On a Great Traveler qui est là. On a Monsieur Grendel. Et bien sûr, on a Miss Parker. Miss Parker est toujours là, toujours en place. Et ça fait plaisir. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique. En ce moment, c'est un peu compliqué, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, au dernier Yokoso. Aller au Japon en ce moment, c'est une histoire très compliquée. On n'a pas de date avant la réouverture des frontières, donc on s'est dit qu'on allait voyager à notre portée. On va voyager dans une tasse de thé ce soir. Donc on va vous expliquer un petit peu, avec Saphir, en quoi le thé au Japon, au-delà d'être une boisson, c'est quelque chose de culturellement très important et tout ce que ça représente pour les Japonais. Donc on va rentrer un peu dans l'univers culturel japonais à travers ce biais-là, qui est le thé. Alors, pourquoi Saphir m'accompagne dans cette émission? C'est très simple, si vous posez la question, c'est que vous ne suivez pas du tout l'actualité, et ça c'est mal. Saphir a commencé, sur la chaîne d'Omégazelle, une émission sur le thé. T'as commencé ça la semaine dernière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi ton... Vas-y. C'est quoi ton angle d'attaque? Non, en fait, ça a commencé la semaine dernière parce que j'ai eu envie parce que j'ai travaillé dans le thé pendant 8 ans. Alors, pas dans les champs de thé, hein, moi j'étais dans la boutique, hein, moi je m'occupais du thé quand il était déjà arrivé tout près. Et j'avais envie, en fait, c'est quelque chose que j'aime énormément, et j'ai eu envie de mettre en place ça, une petite rubrique sur le thé. Donc, je vais streamer de temps en temps sur la chaîne... Et je pense que je ferai des petites stories Instagram, des petites photos régulièrement. Voilà. D'accord. Alors je vais régler ton son parce qu'on me fait remonter qu'on t'entend de très très loin. Donc je vais baisser la musique de fond. Voilà, l'avoir vraiment au minimum. Et je vais augmenter ton son à toi. Mais vous avez bien fait d'acheter la théière bouilloire. Vous allez voir, c'est trop bien. Elle fait tout. Vous savez que vous pouvez même la programmer. Et le matin, ça sonne comme un réveil, et c'est prêt, le thé est prêt, c'est un truc de fou. Ça c'est génial. Du coup, est-ce que vous entendez mieux Saphir? Est-ce que c'est bon maintenant? Parce que j'ai bien augmenté le son de Saphir, je pense qu'on aurait pas mal. Ça, c'est bon. Ah, voilà. Parfait. Nickel. Donc, je vous propose, tout simplement, de commencer sur quelque chose de général. On va parler un petit peu de l'arrivée du thé sur l'île du Japon. On va vous raconter la petite histoire de l'arrivée du thé sur l'île du Japon. On va faire notre petite minute wikiblabla. Et ensuite, on va très très vite rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est ça l'intérêt, c'est d'arriver directement dans ce qui est intéressant. Alors, grosso modo, on a en fait... plusieurs histoires qui se regroupent sur un témoignage comme quoi le thé serait arrivé au Japon à la période Nara, c'est-à-dire à peu près au 8e siècle. Vous savez qu'au Japon, on compte les périodes pour compter les années. En fait, chaque ère compte une période de temps. C'est pas un siècle bien défini, genre 1900, 2000, voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est en fonction des ères. Et là, on est... On a fini l'ère Heisei, je ne sais plus dans quelle ère on est maintenant. Et donc, à l'époque de l'ère Nara, c'est 710, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Jusqu'à 800 et quelques. Donc, au 8e siècle, grosso modo. On a dit que ça a été introduit par, tout simplement, des moines.
La légende dit que ça serait parce qu'on a en fait des traces écrites, mais très peu. C'est beaucoup de légendes orales qui ont été transcrites ensuite à l'écrit bien plus tard. Donc voilà, 710-794. J'étais pas loin, à 6 ans près. Et du coup, ça aurait été importé de Chine, donc par des moines. C'est l'idée de base. Sachant que le thé ne poussait pas à l'état, enfin, ne poussait pas à l'état naturel au Japon avant cette période, il a été vraiment introduit. C'est l'époque où, vous savez, le Japon était à ce qu'on appelle l'école de la Chine. C'est-à-dire que le Japon se structurait et du coup s'inspirait de la civilisation chinoise pour composer sa noblesse, pour structurer son état, son pouvoir politique. Et ils ont envoyé des tonnes et des tonnes d'ambassadeurs en Chine, qui tant et si bien que la Chine a quasiment considéré le Japon comme une de ses provinces au bout d'un moment. Et grosso modo, ils ont importé beaucoup de choses. Et l'empereur de l'époque est très très fan de la Chine. Et du coup, l'introduction du thé a été très facile, du sens que c'était quelque chose de sympa qui venait de Chine. Et l'empereur a dit, bon, ben, ça me plaît, j'ai goûté, c'est cool. Allez en planter quelques hectares. Il me sied. Voilà. En résumé, ça s'est passé comme ça. En résumé, ça s'est passé comme ça. On n'a pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Oui, mais on n'a pas maintenant. Complication du coup. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas votre français à partir de Z, les enfants. Est-ce que vous m'entendez? On n'a pas entendu son explication. Alors moi j'ai entendu toute ton explication, par contre moi il me dit que le stream est en pause, donc y a plus, il se passe rien en fait. Moi tout est bloqué mais je t'entends. Le stream est en Là ça pause. y est. Là, ça... Oui, Ah ben en non, là fait, ça y est. à chaque fois, en fait, à chaque fois que je baisse l'écran du stream, il va s'afficher. Enfin, le stream. En fait, j'ai OBS sous les yeux pour surveiller, mais comme je n'ai pas un écran de, comment vous dire, de tour de contrôle comme Fabien Fournier, c'est-à-dire 8 écrans autour de moi, j'en ai que deux, je suis obligé de switcher un peu. Donc, du coup, quand je fais ça, tu dois avoir un truc de stream en pause. C'est ça, Mais pour toi, c'est tout ça. va bien. Tout Mais va pour moi, bien. tout va bien, j'entends tout, Ouais. j'arrive à suivre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là on est nickel. Donc, nous disions donc, introduction. Hey, salut! Petite arrivée de l'Oméga Zèle sauvage, ça fait plaisir. Donc, la culture du thé se développe particulièrement sous l'époque Edo. Vous connaissez l'époque Edo, on est de 1603 à 1668. C'est là où on commence à développer la culture du thé vraiment de manière très répandue et pas seulement réservée à la noblesse. On commence par un type de thé qui s'appelle le Sencha. Saphir va nous en parler un petit peu plus tard des différents types de thé qui existent. Voilà, voilà exactement. Et il existe à l'heure actuelle pas mal de préfectures qui cultivent le thé, qui sont connues pour cultiver le thé. On va parler de Shizuoka, on va parler de Kagoshima, de Mie. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cultures de thé. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, on a une culture du thé qui s'est tellement développée qu'elle s'est pas industrialisée, parce que c'est pas le mot, mais qu'elle s'est mécanisée. C'est-à-dire qu'on a une culture du thé très particulière avec des machines, ce qui n'est pas trop le cas dans le reste du monde où on cultive encore le thé à la main. Mais ça ne veut pas dire que le thé est cultivé genre sur de façon avec des pesticides, avec des engrais, des trucs comme ça. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux expliquer, c'est qu'on a une culture qui est respectueuse de l'écologie, mais pour, par exemple, la récolte, on a des machines qui sont exactement adaptées à la forme des plantations de thé. C'est pour ça que les plantations de thé au Japon ont cette forme très particulière de vagues vertes que vous voyez, vous avez dû voir des photos circuler, voilà, de ce genre de choses. Donc, Et puis ça vient, il y a deux choses par rapport à ça. Déjà, dis-moi. c'est pas tout l'été. Déjà, c'est pas Tout toutes à les fait. récoltes ou qui sont récoltées avec des machines. Et en fait, les Japonais qui sont quand même assez malins, eux, ont développé ça parce que le territoire le permettait. C'est-à-dire que quand vous voyez en Inde, c'est comme ça, les plantations de thé. Donc de toute façon, la machine est impossible. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est par rapport à. Je trouve pas les mots. La superficie quoi du sol, c'est ça qui le permet aussi. Donc ils ont su rentabiliser la chose, comme toujours d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Alors quand on vous dit généralement le thé au Japon, généralement l'image d'Épinal qui pop en tête des gens, c'est un truc dans le genre. Ah, ça y est, j'ai perdu mon relier. Ah! Alors, photo. Est-ce que j'ai perdu ma photo?
Sniff, on avait fait les réglages, ça marchait. Qu'est-ce qui s'est Oui, je passé? suis témoin, j'ai vu la photo. Voilà, ça y est, ça remarche. Donc, l'image d'Épinal qui nous vient en tête, généralement, quand on parle du thé au Japon, c'est ça. Mais il faut savoir où ça. Mais il faut savoir que, en fait, la plus grosse consommation de thé au Japon, elle ne se fait pas comme ça. Ni Non. ça non plus. Elle se fait comme ça. La plus grosse consommation de thé au Japon, elle se fait sur le thé en bouteille. Il y a des centaines de marques, de genres, de types de thé en bouteille qui sont consommés tous les jours par les Japonais. Tant et si bien que la consommation est si forte que le Japon quasiment absorbe à peu près 80-90% de sa production en thé. Tant et si bien que même des fois, ils en importent. Alors, il y a des thés japonais. Là, vous voyez un petit peu là sur l'image, je vous ai mis une petite sélection d'un des producteurs. Vous voyez une majorité de thé vert, quelques thés blancs, du thé noir. C'est bien pour digérer la viande, ça. Et bien sûr, il y a des thés à l'anglaise avec du lait dedans, sinon c'est pas drôle. Vous J'ai voyez? envie de pleurer. Oui, il y en a plein, il y en a plein, il y en a tellement. Il y en a tellement, tellement. Elle est trop difficile, cette émission, Elle est Léa. trop difficile. Elle est trop difficile cette émission. Je suis désolé, ma belle. Du coup, en fait, on se dit que le thé, c'est quelque chose de très séculaire, de très contrôlé. En fait, non, c'est vraiment la boisson de tous les jours au Japon. C'est plus évident de penser au thé au Japon que de penser à l'eau, en fait, grosso modo. On va y revenir là-dessus. On va en parler un petit peu Et du thé. d'ailleurs, moi, Ouais. ce qui m'avait énormément surpris là-dessus, justement, c'est qu'en France, tu veux du thé, enfin, tu le payes. Oui, tu vas Oui. dans un resto, tu sais, tu consommes, voilà, il y en a un qui va commander un coca, toi, tu veux commander ton thé. Et en fait, quand Flo, puisque c'était elle ma traductrice, quand elle m'a dit non, mais là, la dame, elle te montre parce que la grosse cuve, parce que c'était une espèce de grosse fontaine, tu peux te servir, c'est du thé. Oui. J'ai bloqué, fait. Tu peux te servir, c'est C'est du du thé. thé. Je fais, d'accord. Et du coup, on peut servir. Elle fait, ben oui, c'est à volonté. Et j'étais là, je fais, et donc c'est du thé. Elle fait, Amandine, tu vas te servir ou... Mais vraiment, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Pour moi, c'était le paradis. Et effectivement, j'ai bu. Et quand j'ai bu du thé là-bas, c'est quand je me brossais les dents. De l'eau, c'est quand je me brossais les dents. Parce que sinon, concrètement, j'ai tout le temps bu du thé. Parce que c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'est surprenant de se dire que c'est plus facile de boire du thé que de l'eau. C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est vraiment ancré. Quand vous allez au Japon, vous vous rendez compte très vite, rentrez dans n'importe quel magasin, des genres de thé, types de thé, que ça soit en bouteille, en poudre, en sachet, vous en avez des tonnes et des tonnes. C'est vraiment quelque chose qui est profondément marqué, et pour plusieurs raisons. La première des raisons, fatalement, bah, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui est reconnu comme étant bon pour la santé, qui a énormément de bénéfices et qui sert juste pour l'hydratation, parce que c'est plus évident, il n'y a pas de sucre, des trois quarts du thé, il n'y a pas de sucre dedans, donc ça se boit au quotidien. Il y a un côté, alors là c'est plus historique, il y a quelque chose de lié à un moment calme. Moment de la pause. C'est vraiment le thé, c'est quelque chose qui correspond à ça. C'est le moment où on se recentre un peu sur soi-même, on boit un petit coup, on fait vraiment le break, et ça aide justement à tenir le quotidien, ce qui au Japon, quand on travaille au Japon, est quelque chose d'assez éprouvant. Donc l'importance de cette pause, elle est vraiment vitale. Il y a une question aussi de culture sociale. C'est un moment un peu d'échange, un peu de partage avec ses proches. Le moment où on boit le thé ensemble, c'est vraiment le moment où on prend le temps de discuter ensemble. Il y a une formulation que j'aime beaucoup au Japon, qui résume un peu tout ça. C'est que préparer du thé à quelqu'un, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Quand on le fait bien, ça prend du temps. On va voir tout à l'heure la cérémonie du thé pour le matcha, mais ça c'est le surlevel. Mais déjà, préparer juste un thé tout simple, bah, ça se fait pas n'importe comment. Il y a une température de l'eau à respecter, il y a un temps d'infusion à respecter, ça va vous en parler. Du coup, c'est vraiment consacrer du temps à la personne pour passer un moment avec elle. Donc c'est un petit peu dire, voilà, tout ce temps que je t'accorde, c'est toute l'importance que tu représentes pour moi. Donc du coup, ce thé qu'on partage ensemble, c'est pas pour rien, c'est pour te montrer que je tiens à toi et que je m'inquiète de toi. Il y a vraiment ce symbolique là-dedans. Il y a aussi une notion d'accueil dans le thé. Vous allez jamais, enfin très peu, rentrer dans un restaurant ou dans un truc comme ça sans que vous commandiez quoi que ce soit. Vous vous asseyez à une table, il y a déjà un bol de thé devant vous. Il est apparu comme ça, là, paf! Et
tous les restos, tout, même dans, vous allez dans n'importe quel magasin où vous posez, on va vous proposer du thé. Le premier truc qu'on va vous proposer quand vous allez faire un rendez-vous avec quelqu'un, c'est vous proposer de boire un thé. C'est la base. Et même, on va rien vous demander, on va vous le poser devant vous, quoi. C'est la base. Et ça va même un peu plus loin, dans le sens que ça, y a même une certaine notion de séduction, parce que quand on invite quelqu'un, quand on invite une nana au Japon, on lui dit pas qu'on va boire un café, on lui propose pas de boire un café, on lui dit qu'on va boire un thé. C'est la formule consacrée, c'est ça. C'est pas on va boire un café, on va prendre un café, on va discuter. C'est non, on va au kissaten, on va pas au café, on va boire un thé. Vous voyez, c'est vraiment ancré dans la civilisation japonaise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Je remonte un peu le son de Saphir, excusez-moi. Hop là, c'est fait. Donc Saphir, explique-nous déjà un petit peu l'été qu'il y a au Japon. Bienvenue dans le Tenchu. C'est une blague! C'est une blague! Merci à Omegazelle d'avoir souscrit au Tenchu World. Il aurait demandé, je lui aurais offert l'abonnement. Alors, comme tu le disais, donc les Japonais, ils ont rapporté cette idée et le principe de thé, eux, ils n'en avaient pas. Ils l'ont ramené de Chine. Et en Chine, ce qu'ils cultivent, c'est quand même, alors ça dépend les régions, mais il y a du thé vert. Et c'est vrai que eux, ils ont ramené le théier. Le théier, c'est un Camellia sinensis. C'est-à-dire qu'avec votre petit théier, vous pouvez faire du thé vert, du thé noir, du thé blanc, du oolong. Tout va dépendre de ce que vous allez faire de votre feuille. Et c'est en ça que les Japonais, encore une fois, ont su prendre de la Chine, mais se démarquer. En Chine, quand ils font leur thé vert, ils cueillent leur feuille de thé. Et le thé, une fois que vous cueillez la feuille, qu'est-ce qui se passe? Un principe tout bête, comme quand vous coupez une pomme, ça s'oxyde. Donc, pour pas que ça s'oxyde et que ça devienne du thé noir, il faut stopper l'oxydation. Et donc, les Chinois, ils font ça souvent, par exemple, comme le longjing, dans un wok. Et les Japonais, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font à l'étuvée, donc avec de l'eau. Et c'est ça qui va faire que le thé japonais, je ne sais pas si vous en avez déjà senti, déjà bu, mais c'est ça qui va donner ce côté très, alors à la fois iodé, parce qu'il y a ce côté iodé dans le thé japonais, et ce côté très vert, très végétal. Ça fait même un peu gazon. Alors c'est sûr que quand on présente ça comme ça donne pas forcément envie, mais c'est vraiment ce qui fait la typicité de ce thé. Le thé japonais, il est réputé pour ça. Et pourquoi on parle des bienfaits du thé japonais? Parce qu'on parle des bienfaits du thé vert et en particulier du thé japonais, justement par rapport à ça. Parce que le fait que votre petite feuille, quand vous l'avez cueillie sur le théier, de suite, vous stoppez pour qu'il n'y ait pas d'oxydation. Donc la feuille, elle va garder tout ce qui est riche, alors là c'est un peu technique, mais en catéchine. Donc tout ce qui fait les antioxydants, tous les bienfaits du thé en fait. Et ça, quand vous le buvez, c'est déjà, vous avez déjà les bienfaits. Mais quand PA va vous en parler, quand la petite feuille de thé, elle est broyée, etc., pour en faire du matcha, le matcha, qu'est-ce que c'est? C'est le thé réduit en poudre, mais du coup que vous ingérez. Donc là, vous ingérez la feuille. Donc là, les bienfaits, pour le coup, ils sont multipliés. C'est de là que vient un peu tout ça. Mais comme il le disait tout à l'heure, le matcha, c'est pas la plante qui est forcément la plus. Il n'y a pas de moyen de conserver. De conserver quoi? Le thé, je De suppose. Si, conserver quoi? si, il faut le conserver sous vide à l'abri de la lumière et de l'air pour éviter Ah oui, très l'oxydation. important. Très important. Déjà, le thé, je vais vous montrer. Vous avez différents moyens de le conserver. S'il vous plaît, grand Dieu, ne le conservez pas comme des fois il est vendu dans certains supermarchés, dans des pots en verre transparent. Surtout, ne faites pas ça. Ne reproduisez pas ça chez vous. Parce que le thé ne doit pas voir la lumière pour être préservé. Donc si vous le mettez dans votre bocal en verre transparent, ça ne le fait pas. Au Japon, ils font ceci. C'est des boîtes en papier washi. Je ne sais pas si on voit bien. Attends, je ne suis pas du bon côté. Ouais. Voilà.
Bon, Alors, il y bien. en a qui sont un peu kitschouilles, hein? On en a avec, voilà. Et il y en a d'autres comme ça. Et eux, les Japonais, ils optimisent. Il y a un double couvercle. Je suis jamais en face de la caméra, attends. Hop là. Là, tu y es. Donc, vous ouvrez un premier, vous ouvrez un deuxième. Et là, vous C'est pouvez mettre protégé. votre thé. Donc là, c'est vraiment protégé. Parce que le thé, une fois qu'il a été préparé, c'est-à-dire une fois que la feuille a été cueillie, qu'elle a été, du coup pour le thé vert, où on a stoppé l'oxydation, après, elle est roulée, c'est séché, roulé, et après, vous avez votre thé. Mais ce thé, effectivement, il faut le conserver. Il faut faire très attention. Il ne se périme pas. Votre thé, vous pouvez l'avoir depuis 10 ans, il ne se périmera pas. Mais le goût, il va être moins bon. Donc c'est un peu dommage. Et donc le thé, très répandu, le sencha. Le sencha, ça c'est après, c'est des qualités de thé. Le sencha, c'est l'un des thés qui est le plus cultivé et bu au Japon. Et après, les Japonais vont avoir quand même, on parle du thé vert japonais, mais il n'y a pas que ça. Vous allez aussi avoir ce qu'ils aiment bien, les Japonais, ce sont des tiges de thé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pendant que tu montres, nous avons attiré le Rodo, je te signale. Rodo vient d'arriver sur ce live. Bonsoir, En Rodo. direct de Chine, il vient de voir si on ne dispasse pas son pays. Lui vient voir si on vient pas. Parce que tu sais, il a dû entendre, oui, par rapport au thé chinois, il a dû se dire, Rodo, attends, ils vont critiquer le thé de mon pays, ça va pas aller. Alors, est-ce que vous voyez? Attends, je suis déjà. Oh là là. Oui, on le voit bien. Donc ça, ce sont des petites tiges de thé. Parce que du coup, les Japonais, eux, ils ne perdent rien. Donc vous avez la petite tige de thé, qui celle-là, du coup, ne va pas être forte en théine. Voilà, c'est l'avantage. Qui va être assez fraîche. Ça, froid l'été, c'est vraiment ultra désaltérant. C'est vraiment le top. Mais il y a aussi la version Chez la oreille. torréfiée. Et celle-là, on est d'accord qu'on la retrouve souvent dans les boissons vendues dans les supermarchés. À fait. Celle-là, on la retrouve assez fréquemment parce que pareil, froid, c'est très très bon. Et donc, c'est le même principe. Ça a une odeur de céréales. Alors, j'exagère un peu, mais tu sais, moi, la première fois que je l'ai senti, ça m'a fait penser. Tu mangeais les Smacks quand tu étais Ouais, petit? je vois tout Eh à fait. ben, franchement, ça a ce côté un petit peu céréal, un petit peu caramélisé. Y a ce côté-là, Et ça, c'est. y a ça dans ce thé-là, il y a ça dans le Genmai, qui est carrément pas. Il y a du riz soufflé dans ce thé, donc fatalement ça sent le smax. Mais oui. Justement, nous allons y venir. Nous allons y Donc, venir. là, J'anticipe trop. mais c'est moi qui suis peut-être pas très ordonnée là dans mon explication de thé. Donc, vous avez donc les tiges, vous avez le sencha et vous allez avoir effectivement, comme tu disais, le gain matcha. Alors, le gain matcha, qu'est-ce que c'est? C'est du thé avec du riz soufflé. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, je vais vous montrer. Alors, le mien est une version un peu différente parce que le mien, c'est du gain matcha mélangé avec du matcha. Ah ouais, t'as pris le level up, toi. Ouais, voilà. Mais en fait, Ouais. là, c'est vrai que j'ai plus que. J'aime beaucoup le gain matcha seul. Et là, j'avais acheté avec du matcha. Alors, il faut savoir que le gain matcha, il y a la petite histoire, parce que moi, j'aime beaucoup les petites histoires autour du thé. Tiens, Le gain j'ai matcha. ramené ma collection aussi, regardez. Wow. Ah, mais. Il y a plein de thés, tu sais, qui Y a passent. plein de thé qui pop. Alors, est-ce que Vas-y. toi, tu connais la petite histoire du gain matcha? Non, mais tu vas me la raconter, parce que c'est mon thé préféré, le Genmaicha. Ah, alors le gain matcha. Alors, il existe, de toute façon, c'est toujours le cas quand il y a des mythes, etc. Il existe plusieurs histoires autour de ce thé. Moi, il y en a une que je trouve, enfin, que je trouve belle. J'arrive Le pas. gain matcha. C'est du Genmaicha Le gain Midori. matcha, il est apparu. Comment il est apparu? Il y avait un serviteur d'un samouraï qui lui préparait le thé. Et un jour, en préparant le thé, il a renversé des grains de riz à l'intérieur. Et sachant qu'à cette époque-là, seul. Comme expliquait Tenchi, la noblesse, enfin, c'était pas le peuple qui buvait ça. Quand le samouraï a vu ça, ce qui est apparu pour lui,
sacrilège, il lui a coupé la tête. Et il a bulleté pour pas le gâcher. Et il s'est rendu compte que c'était très bon. Et donc, pour rendre hommage à son serviteur qui s'appelait Genmai, Il a... ils ont appelé ça le Gen Matcha. Voilà. Alors, ce qu'il faut, oui, Mais juste une petite explication, voilà. je me permets une aparté. On va souvent entendre le mot cha dans ce qu'on va expliquer, parce que Oui. cha, ça veut dire le thé, tout simplement au Japon. Le ocha, c'est le thé. Donc, souvent, ben, les thés vont avoir leur origine, leur distinction, sen, cha, genmai, cha. On va toujours avoir du cha dedans. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va revenir souvent, c'est à cause de ça. Excuse-moi, mais je t'en prie. Mais non, mais tout à fait. Et donc ce thé, c'était aussi après passer un temps, donc il a été, ça s'est perpétué. Et c'était le thé des pauvres, passé un moment, parce que bah, ils n'avaient pas assez d'argent pour mettre beaucoup de thé, donc ils mettaient du thé avec du riz, et voilà, ça permettait de faire, on va dire, un repas. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus pour vous dire qu'il existe quelque chose, c'est du sarrasin qui est utilisé pour manger les nouilles soba. Et ça, c'est très très bon. Donc il existe vraiment, voilà, le thé. Vous avez le thé où vraiment vous allez pouvoir manger, j'allais dire, puisque vous allez mettre vos nouilles dedans et ça va faire des plats vraiment très très bons. Et vous allez avoir le thé que vous allez consommer régulièrement toute la journée, qui est sur une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Et vous allez monter en grade pour arriver à des choses comme le gyokuro, comme le matcha. Sachant que le matcha, attention, Tenshi va vous en parler, il existe différents matchas. Tout à fait. Le matcha, vous avez celui que vous allez prendre pour faire vos pâtisseries, et il y a celui que vous allez boire pour la cérémonie du thé. Attention, ce n'est pas... Ah, qu'il est beau! J'adore. Tu le vois, ce Ah, mais je vais Bogenmai? te montrer. Alors, du coup, je vais te montrer le mien, que tu vois comment il est. Alors, je ne sais Alors, pas si on va montre-nous. bien le voir. Je vais peut-être prendre un petit. Je ne sais pas si vous allez bien le voir là. Non, attends. Je vais Recentre-le un vous peu. montrer. Tu vas voir avec un Moi, je petit. triche, j'ai ma caméra à main, du coup, je triche un peu. Moi, si tu savais l'installation. Bref. C'est bien Je d'avoir un vais. mari streamer, non? Là, je suis dans la cuisine, quasiment assise sur la bouilloire, sur le rebord du truc. Alors, je vais vous montrer. Le game matcha avec le matcha, ça donne ça. Je sais pas si vous Ah voyez, là ça, là, c'est ouais, c'est vraiment super beau, hein. recouvert. De la poudre de matcha. Ah là, Et c'est alors, classe. toujours pour rester dans le game matcha, pour ceux qui sont amateurs, il existe. Donc, comme je vous disais qu'il y a différents grades de thé, il y a la récolte, les sincha. Les sincha, c'est la première récolte de l'année. Donc, votre petit ayé, il a passé tout son hiver tranquille, enfin, si possible tranquille, histoire qu'il ne meure pas. Et qu'est-ce qui se passe? Arrive le printemps et arrivent les premières feuilles du théier. Dans ces cas-là, il n'y a pas les grosses machines qui récoltent tout. C'est des cueilleuses qui récolte le bourgeon et uniquement le bourgeon du théier. Ça, c'est un travail fastidieux parce qu'il faut vraiment prendre le bourgeon et pas plus. Le bourgeon est mis de côté, c'est ramassé à un certain moment. Il y a un temps particulier pour le ramasser. Il faut ni le ramasser trop tôt ni trop tard parce qu'après, c'est plus un bourgeon. Et suite à ça, PA, je ne sais pas si tu as déjà goûté, il y a le Gen Matcha avec. Du coup, ces fameux bourgeons, Celui-là, je ne l'ai pas ça a goûté, un celui-là, goût. bourgeon. Parce que, à mon avis, il ne C'est doit pas un être donné. truc assez. Alors, ça fait pas partie de ceux qui sont les plus chers. Il faut compter, généralement, faut compter dans les 20 euros les 100 grammes. Voilà. Sachant que quand on vous dit les prix du thé, on est d'accord que ça peut paraître cher. Moi, souvent, les personnes me disent, quand elles me disaient, mais c'est super cher, je leur disais, mais un bon vin, c'est cher aussi. Sauf que votre bon vin, vous le mettez dans le verre, vous le buvez. Les thés comme ça, et notamment les récoltes de printemps, vous pouvez faire 2 à 3 infusions avec les mêmes feuilles. Donc, quand avec 100 grammes de thé, vous pouvez faire au moins 10 litres, voire 30 litres, bon,
Quand même, on C'est a rentabilisé relativement la feuille. raisonnable. Puis il y a un temps de Et travail encore mieux, derrière. alors c'est ça, c'est-à-dire que c'est cher, mais il faut quand même savoir que cueillir le thé à la main, tout ce que ça représente, il y a un travail dessus. Sur tous les thés que vous allez voir, alors pas sur le sencha qui est récolté avec la grosse machine, ça non. Mais il y a des thés, il faut savoir que, comme les perles de jasmin, etc., il y a un travail qui est fait derrière qui est colossal, vraiment colossal. Et si vraiment vous voulez rentabiliser votre récolte de printemps, et je vous le conseille, quand vous allez prendre vos petites feuilles de thé vert japonais récolte de printemps, que ce soit le Gain Matcha ou d'autres, hein, peu importe, une fois que vous avez fait vos 2 à 3 infusions, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez un petit bol de riz, un petit peu de sauce soja et vous mangez les feuilles. Et c'est trop bon. Et Alors là, la ça, feuille, vous l'avez rentabilisée de A à Z. Voilà. y a des plats tout simplement à base de thé. Il y a un plat qui est très très simple et très connu, notamment quand on est un peu malade. C'est tout simplement de faire un riz bouilli, un riz gruau en fait, tout simplement, et de mettre un peu de thé vert dessus avec des petites boules de riz soufflé, justement de céréales de riz soufflé. Et c'est un repas qui est très léger, qui permet justement à l'estomac de se remettre en place quand on est barbouillé, quand on n'est pas bien. Le thé vert agit, le riz agit. Et c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc c'est une sorte de soupe de riz, et qui est plutôt pas mal. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont à base de thé, et pas que des pâtisseries, parce que oui, on va parler aussi des pâtisseries. On peut pas parler du matcha sans parler de pâtisserie ni quoi que ce soit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses différentes. Quand on demande le prix, ça va du simple à fois Ouais. 10. Vous pouvez payer quelques Alors, centaines bah, de c'est comme en yens. France, hein. Ouais. C'est comme en France. Alors, vous l'avez aussi un peu moins cher qu'en France, mais il y a tous les ordres de prix. C'est-à-dire que même un très beau thé, si on le paye cher aussi parce qu'il y a l'importation, mais même là-bas, un beau thé, il coûtera quand même cher aussi. Parce qu'il y a quand même la main-d'œuvre, il y a quand même. En fait, la seule différence, c'est que vous ne payez pas l'importation. Voilà, c'est ça en fait, hein. Mais C'est ça. sinon, ça Puis reste. il y a peu, la rareté le rend cher, parce que le vrai thé japonais, le bon thé japonais, comme je vous ai dit tout à l'heure, les trois quarts, voire plus que la production, est déjà absorbée par le Japon. Il y a très peu qui est exporté au final. Donc il y a aussi ça qui va rajouter une plus-value. Mais des bons thés, ça reste accessible. Par exemple, voyez, je vous donne un exemple tout simple. Il y a, on a dit qu'il y avait. Oh, le thé au yuzu. Ah là là. Il y a des thés froids qui sont très bons. Et il y a un thé qui est un peu dédié un peu à la période estivale au Japon. On appelle le mugicha. Qui est un thé à base d'orge, en plus du thé. Et qui est un thé qui se consomme beaucoup l'été au Japon, ce qui fait très chaud, il fait très lourd. Du mugicha, on en trouve des paquets comme as à 400-500 yens, donc 3-4 euros, parce que bon, ça coûte pas hyper cher à produire. Il y en a une consommation pas possible, donc c'est assez facile à distribuer, ça se garde assez bien. Et comme on en consomme des tonnes pendant l'été, bah, fatalement, bah, ça permet de faire du volume. Bah, c'est vrai que vous savez qu'au Japon, il fait extrêmement chaud, extrêmement humide, donc il fait une chaleur lourde. Passer un été sans mugicha, c'est compliqué. Passer un été sans mugicha, c'est extrêmement compliqué. Mais ce thé ne coûte vraiment pas cher. Vraiment, vraiment pas cher. C'est vraiment quelques centaines de yens pour des gros paquets. Donc il n'y a pas de souci. À l'opposé du spectre, comme Saphir vous montre, il y a des thés qui sont extrêmement travaillés, qui sont en quantité limitée parce qu'ils demandent l'utilisation d'un certain type de feuilles, de bourgeons, des trucs comme ça. Bah, c'est comme le caviar, hein. Plus c'est rare, plus c'est cher, et du coup on peut monter et à là des centaines d'euros pour le gramme, sans problème. Sans problème. On parlait du matcha, là, on va rentrer un peu là-dessus, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est très ancré dans la culture occidentale comme étant une représentation du Japon. Donc, comme l'a dit Saphir, c'est un thé en poudre, tout simplement, mais qui demande un travail titanesque en amont. Le matcha, il est cultivé 3 ou 4 semaines sous les ombres. Il n'est pas mis au soleil. Il y a toujours des filets sur le matcha, parce que ça le préserve du contact direct du soleil pour justement. Il ne développe pas trop, je sais plus si c'est la théine ou la catéine En fait, c'est qui parce que c'est s'oxyde. pour éviter que la photosynthèse continue et ça oblige le théier à puiser ses ressources dans le sol, la Voilà. pluie par rapport au soleil. Et c'est ça qui va faire les gyokuro, les thés qu'on va utiliser pour le matcha et qui vont lui donner aussi cet aspect particulier. Mais oui, donc c'est ça, ils sont bâchés. En fait, ils sont bâchés. Donc vous imaginez, ils bâchent tous les théiers 20 jours après.
récolte. Enfin, Voilà. c'est un travail quand même, voilà, C'est c'est. titanesque. Et là, on est à la première étape. Ensuite, il y a la récolte. Ensuite, il est passé à la vapeur, comme on a expliqué. Il est séché dans des fours en briques. Il est séché à la main. Vous verrez, c'est des espèces de fours en briques avec des espèces de demi-cercles en métal dans lequel le thé est remué pour être séché. On enlève les tiges, on le dénervure. Vous imaginez, chaque feuille de thé, il faut enlever toutes les nervures. Et à partir de là, on peut le passer en poudre. Et sachant qu'un moulin, donc les moulins à matcha, qui sont des moulins en pierre, en moyenne, par jour, vous sortez à peu près 40 grammes de poudre matcha pour un moulin. Vous imaginez le boulot pour avoir ces 40 grammes de matcha. Donc ça justifie un petit peu non seulement le prix, mais aussi le fait que voilà, ça se vend en très petite quantité. Et surtout, bah, comme le matcha, ça peut s'altérer au temps, c'est conservé dans des toutes petites boîtes, vraiment bien à l'abri, pour ne pas qu'il perde de sa saveur, parce que c'est quelque chose de frais, le matcha. C'est quelque chose qui garde. Par contre, il y a des vertus assez impressionnantes pour un élément. Comme vous l'a dit Saphir, effectivement, il y a la catéine, qui donne ce goût un petit peu amer au thé, hein. C'est vraiment ça qui apporte l'amertume au thé. La catéine, c'est quelque chose qui va vous donner en valeur, que je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, c'est un antioxydant. Oui. Ça limite l'augmentation des sucres dans le sang. Il y a la théine qui a des effets relaxants. Ça va éviter les maladies cardiovasculaires. Tout à fait. Ça va aider Ça pour va aider au tout ce qui est brûler des digestion. graisses. Ouais. Voilà. Ouais. Alors par contre, voilà, ne pensez pas que parce que vous allez vous acheter et boire votre thé japonais en vous bouchant le nez parce que ça ne convient pas, que vous allez perdre 10 kilos, hein. Par Non, contre, ça ne marche pas comme ça ça. marche pas comme ça. Voilà. Mais vous voyez, par exemple, par rapport à un thé sencha, le matcha, il y a 3 fois plus de théine et il y a 2 fois plus de catéine, en moyenne, grosso modo. Il y a de la vitamine C, on dit que c'est génial pour la peau, moi je sais pas. Il y a de la vitamine A, E, K. Il y a de la caféine, parce que oui, dans le thé, il y a de la caféine. Oui. Il y a. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, c'est pas que positif. Il y a un effet excitant, il y a un effet qui fait augmenter le rythme cardiaque dans la caféine, mais la catéine annule cet effet négatif de la caféine dans le matcha, dans le thé vert. Donc du coup, les deux éléments, comme ils sont présents dans cette plante-là, s'équilibrent et n'ont que des effets quasiment positifs sur le corps. Contrairement au café, qui lui est 100% pure caféine, et là du coup, vous n'avez rien pour atténuer les effets négatifs. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle, tu me corriges si je me trompe, Saphir, la lutéine, c'est ça? Ça, je connaissais pas, j'ai appris ça. Il y a ça aussi, Ouais. oui. La lutéine, c'est censé protéger vos yeux, parce que ça vous aide à absorber la lumière bleue, de ce que j'ai lu. Alors j'espère que c'est. Parce que ça, je trouve ça assez hallucinant. Alors ça, c'est vrai que j'aurais pu vous le dire dans l'intro historique. Grosso modo, une des légendes dit que le thé a été adopté aussi au Japon parce que, grosso modo, il y a une vertu, ça guérit de la gueule de bois. Et qu'apparemment, les seigneurs étaient très contents d'avoir quelque chose à boire les lendemains de cuite pour absorber un petit peu tout ça. Donc ça, honnêtement, pour l'avoir pratiqué le Alors, thé vert, je trouve pas ça évident comme effet, mais... parce qu'en fait, c'est pas forcément, je pense que l'information a été un petit peu erronée. Ça marche avec certains thés, effectivement noirs, mais en fait des thés sombres, comme le puer. Le puer, c'est un thé qu'on a laissé fermenter. Ça, c'est typique, de la région de Yunnan, en Chine. Et c'est un thé qu'on laisse fermenter dans des caves. Et donc du coup, ils développent des micro-organismes et ces micro-organismes, ils sont très bons pour aider à la digestion. Et en fait, la légende dit, ça c'est un thé qui est utilisé en pharmacopée chinoise justement. Et il est dit que justement, ça, comme ça fait baisser le taux de sucre dans le sang, etc., c'est sûr que si vous avez pris une cuite, ça aide. Voilà, Ouais, c'est d'accord, peut-être c'est ça. sur ce principe-là. Ok, je comprends Voilà, mieux. c'est plutôt, je pense, sur ce principe dont il parlait. D'accord. Bah moi, pour les thés noirs, là, par contre, j'en ai constaté des effets. Quand tu vas manger un repas le soir un peu gras, c'est vrai que le thé noir, je trouve que ça aide pas mal à la digestion et ça évite l'acidité de l'estomac. Je trouve que ça marche. Les thés comme ça, tu vois, les kolochas comme ça aide, je trouve que ça aide pas mal à absorber justement les excédents de graisse.
Et alors, sachez que suivant le repas que vous faites, quitte à boire du thé, autant que ça se marie bien avec le repas, si vous mangez de la charcuterie, des choses comme ça, qui est très bon, alors maintenant il en existe au Japon aussi, ils ont commencé à en faire, ce sont les thés fumés. Ah Les oui, thés fumés, tout à alors fait. c'est assez rare, mais du coup votre thé fumé, c'est très intéressant parce que le fait de prendre un repas, alors ça se marie très bien le. Alors bon, faut y arriver, hein. Le matin, vous avez vos œufs avec le bacon, etc. Le thé fumé, c'est les lapsang souchong, ou thé du tigre pour le taïwanais. Et en fait, quand vous en bouche, vous allez vraiment avoir le côté fumé. Parce qu'en fait, c'est du thé qu'on a passé au-dessus de fumée. Et ça s'est imprégné, parce que du coup, la feuille s'est imprégnée. Et notamment celui de Taïwan qui s'appelle le thé du tigre. Il est très 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 fumé, mais en fait même la texture, elle est grasse en bouche. Donc quand vous D'accord. allez prendre votre repas, ça fait vraiment ressortir le goût de la nourriture. Donc après, par Intéressant ça. contre, attention, parce que ces thés-là, ils ont été interdits passé un moment, parce qu'il y avait quand même un débat avec le Conseil européen concernant la santé. Parce que c'est un thé qui est fumé quand même. Ouais, donc Donc il a pendant plusieurs mois, il était plus commercialisé en Europe. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un état de dépendance parce qu'il y a des gens qui venaient affolés en disant oh, on a du thé fumé. Et nous, on avait des thés fumés, mais faiblement fumés. Et en fait, il faut savoir que je ne te l'apprendrai pas, Tenchi. L'œuf fumé, c'est comme le sel. On s'y habitue. bizarre, hein, je vois pas du tout de Je quoi dis vous voulez ça, parler. évidemment, je dis ça complètement au hasard. Hein, c'était vraiment un exemple parmi tant d'autres. Hein. Me sens pas concerné. Donc, le problème, c'est qu'avec cet thé fumé, vous commencez un petit peu et au fur et à mesure, vous avez tendance à prendre de plus en plus fumé parce que si vous en buvez tous les jours, palais, ça coûte au degré de fumage. Voilà. Ok, Et on donc, j'ai vu a un thé ouais. japonais. Qui Donc, apparemment, commence à les être fumé, ouais. Japonais tentent un petit peu. Oh bah, Mais j'en ai probable. jamais bu au Japon, en tout cas. J'ai pas Donc, testé encore aussi, je crois que je vois ça. On a quelques questions un petit peu sur le chat. On a Isoto qui demande le prix à peu près du kilo. Alors, je pense qu'il vaut mieux compter en 100 alors, grammes. ouais. Un matcha en Déjà moyenne, 100 en grammes, grammes, ouais. ouais, déjà en grammes, j'allais vous dire pour 50 grammes. Après, ça dépend les marques, hein, mais déjà. Quand on part sur du. Parce que c'est souvent vendu par 50 grammes, des fois 100 grammes, mais rarement plus. Ah, peut-être au Japon qui le vendent en plus grosse quantité, le matcha et encore, je pense pas. Pas beaucoup, Parce hein, que c'est. si vous voulez, le matcha, c'est un thé, une fois qu'il est ouvert, il s'abîme. Il s'abîme quand même assez rapidement. Donc le but, c'est plutôt d'avoir des petits contenants que vous pourrez stocker après au frigo, etc. Plutôt que des gros. Parce que le gros sac, une fois qu'il est ouvert, qu'est-ce que vous en faites, les amis? Bah, Vous surtout pouvez rien en qu'au faire. Japon, il y a une culture de faire vraiment peu de stockage quand on fait les courses. On fait En vraiment des plus. courses très régulièrement et en petite quantité. Genre, on n'achète que ce qu'on va consommer vraiment dans les 24-48 heures. Donc, c'est rare de stocker à bloc. C'est mieux de retourner régulièrement dans les magasins. J'ai jamais vu un stockage de matcha qui dépasse les 400-500 grammes. Jamais. Peut-être Ah, pour la. effectivement, je me rappelle, tu as raison, il y a des boutiques de thé où ils ont des grands frigos avec du 400 grammes. C'est vrai, voilà, c'est vrai, il y a le 400 grammes. Mais du coup, on n'est pas sur des qualités Non, c'est plus pour la de frigo, restauration, hein. je pense, c'est plus pour la cuisine. Voilà. Donc après, nous, le matcha en France, tu peux le toucher, on va dire, pour du matcha cuisinier, vers 7-8 euros, les 50 grammes. Généralement, tu peux arriver à trouver ça dans des boutiques asiatiques. Après, si tu veux du bon matcha que tu vas déguster, tu peux à l'aise être sur 40 euros les 50 grammes. Je sais À pas l'aise. si vous vous rappelez, il y a 1 an, 2 ans, je crois qu'il y en a encore maintenant, mais j'en vois plus rarement. Il y a une marque française qui a essayé de sortir des petites bouteilles d'eau avec du matcha dedans, qui était contenu dans le bouchon. Nous ne dirons pas que c'est Lipton qui a essayé ça, que Pas de c'est une marque. hérésie. Pas de marque. On est d'accord. On est d'accord que c'est pas. Alors je l'ai testé. Je l'ai testé pour voir ce que ça donnait. Vraiment le. Alors donc du coup vous dévissez un truc sur le bouchon, ça fait tomber la poudre dans l'eau, vous secouez un petit quart d'heure, hein, on va pas se mentir, ça prend du temps. Et vous Alors, on n'a pas pouvez. dû voir le même. Ah, hein, c'était. Attends,
Ah, attends, c'était Lipton? Parce que moi, ça me semblait que c'était un truc genre d'Ozotti ou un truc comme ça qui faisait ça. Alors attends, donc moi je continue à critiquer Lipton parce que Lipton, toi à la limite c'était un truc technique, donc ça veut dire que le matcha était protégé. Oui, c'était protégé dans une capsule dans le bouchon, en fait. Et Voilà, tu faisais alors ton... que, excusez-moi, ça fait 3 fois que je cite la marque, donc je vais pas la citer. L'autre marque, c'est impossible parce que votre matcha, il est dans la bouteille comme ça, avec la bouteille transparente. Et vous voyez le matcha, et quand vous lisez, en fait j'avais lu la composition. Il y avait 0,005% de matcha. Tu fais D'accord. ouais. Et par contre, il y avait 4 grammes de sucre. Ah Je ouais, l'ai non. goûté. Ah ouais, non, je l'ai goûté, franchement. Parce que moi, quand même, quand il y a ces trucs-là qui sortent, je teste. Et on n'est pas au Japon, hein, je vous le dis. Hein. Non, Franchement, on déjà, n'est s'il y a du pas. sucre, c'est qu'il y a un problème. Alors, celui que j'ai goûté, moi, il n'y avait pas de sucre dedans, vraiment pas. Et c'était vraiment juste la poudre avec de l'eau. Mais ça coûtait déjà presque 6 balles pour une petite bouteille comme ça, quoi. Donc Ouais, non. ça vous donne l'idée. Et dedans, il devait y avoir, allez, 2-3 grammes. C'était vraiment pas énorme ce qu'il y avait dedans. Non, c'est pas le Lipton, hein, ni la Volvic Green Tea que j'avais en tête. C'est ça, c'est Dosoti, j'ai trouvé. C'est Dozo Ah. Matcha. Pareil, hein, la Volvic J'ai trouvé. avec le C'est matcha, Dozo hein, Matcha. ils mettent beaucoup de sucre en fait en France. Ouais. Je sais Ils pas pourquoi, mettent parce que beaucoup de... voilà, c'est peut-être qu'ils se disent que le matcha tout court, ça serait compliqué, mais bon. Voilà. Peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup, moi en fait je bois les boissons sucrées. Mais par contre le thé, je ne mets jamais, jamais de sucre. Et j'ai envie de te dire heureusement parce qu'avec tout ce que je m'enfile de thé dans la journée, si à chaque Voilà. fois il y avait un carreau de sucre, ce serait un petit peu compliqué. Ah, pareil, Donc... j'ai du mal là-dessus. Il n'y a que le thé, vraiment le thé à l'anglaise avec un nuage de lait où je mets un peu de sucre dedans, mais j'en bois tellement rarement. Le milk tea comme ça là. Ouais, Mais ben moi même pas. Moi, même des pas. fois... Ouais, j'allais te dire, des fois je mets du lait, encore c'est très très rare, sinon non, moi je le bois comme ça, sans rien. Le vrai là, le corset Le là. corset. Le corset. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois que j'en ai vu Oui. passer. Il y a Dark Angel qui demandait, j'ai un sachet. Il ou elle me disait, j'ai un sachet dans le matcha. À quoi ça sert? Tu as un sachet dans ton matcha? T'as une boîte de matcha avec Ah, avec un sachet dedans? oui, c'est les trucs, oui, tu as un sachet, c'est les trucs anti-humidité. Ah oui, les petits sachets avec les cristaux Oui. dedans, c'est ça? Ok, ouais, bah voilà, ça sert à la préservation, du coup, tout simplement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Attends, je vais aller retourner sur la partie du chat où je peux remonter. Il y a un sachet dans mon chat, ça sert à quoi? Il y a ton zèle qui se plaint. Il se plaint parce qu'il a que de l'eau. Il y a des marques à Je n'ai pas bannir niveau testé. thé. Miss Parker qui demande, est-ce qu'il y a des marques de thé qu'il faut bannir? Alors, je peux pas reciter une cinquième fois la même Alors marque que de thé. voilà. Non, en vrai, c'est pas qu'il y a des thés à bannir ou des thés à pas bannir. Il faut juste, ce qui est important, et moi ce que je trouve bien, c'est que vous sachiez ce que vous achetez. Si vous avez envie de vous acheter certains thés en supermarché, il faut juste savoir quand vous achetez quel est le produit que vous achetez. Le prix, mais le prix, il est aussi justifié par quelque chose. Si vous allez dans une maison de thé, la maison de thé, elle vous garantit qu'il y a quand même du commerce qui est fait avec certains producteurs en particulier. Les supermarchés, on ne va pas se mentir, qu'est-ce qu'ils achètent? Eh bien, ils récupèrent tout ce que les maisons de thé n'ont pas voulu, à savoir les brisures, la poudre. Ils ramassent toute la poudre, ils mettent dans les sachets. Voilà. C'est pour ça que c'est pas cher. Après, moi, je comprends parfaitement qu'on ne peut pas avoir un budget pour tout. Et si on veut boire du bon thé, c'est un budget aussi. Donc après, je trouve que c'est bien d'arriver à faire un compromis. Moi, j'ai aussi des thés, je vais pas vous mentir, hein, là, ils y sont pas forcément. Alors, c'est plus les infusions, hein, pas le thé. Le thé, j'achète pas des thés en poudre, machin. Mais par contre, les infusions, j'ai plein de marques de supermarchés, hein. Faut juste que vous sachiez ce que vous achetez et faire attention parce que le problème aussi de certains thés, c'est que vous avez beaucoup d'arômes artificiels. Donc en fait... vous achetez votre thé, c'est de la poudre, et là pour le coup c'est pas le matcha, hein, c'est vraiment les feuilles de thé toutes cassées, et vous avez des arômes artificiels. Donc enfin, franchement, voilà.
Dark Angel, si j'ai bien compris, tu vas à Asia-Pacifique. Asia-Pacifique, il y a très peu de produits japonais. C'est beaucoup des pays, des produits qui viennent soit de Corée, soit de Chine. Donc tu vas trouver des thés chinois. Tu vas trouver quelques thés en poudre coréen. Je pense que tu as un matcha latte coréen qui est au gingembre, que j'ai goûté, qui est un peu corsé, qui est pas mal, mais c'est en poudre. Oh là 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 là, ça doit être sympa ça. Ouais, ça, je te ramènerai si tu veux. Ah, ça doit réveiller quand même, Oui, ça réveille. Matcha latte et gingembre, ouais, ça réveille. Mais tu as deux, trois trucs qui sont sympas chez Asia-Pacifique. Pour vous compléter ce que disait Safia pour les thés en bouteille, il faut savoir que les thés sucrés en bouteille que vous trouvez en magasin, sans parler des thés japonais en globalité, il y a souvent plus de sucre dedans que dans certains sodas. C'est quand même une arnaque absolue, parce que des fois on se dit, allez, je vais prendre un thé glacé, il va y avoir moins de sucre dedans. Pas du tout, du tout, du tout. C'est au contraire, c'est beaucoup plus sucré. Donc faites attention, faites beaucoup attention à ça. Pour revenir un peu Ah, au... Ouais, vas-y, excuse-moi. excuse-moi, je te coupe parce que Je là je t'en vois prie. passer. Pour chez moi, mon torréfacteur fait les deux thés et café, je le prends en vrac. Alors sachez, le thé en vrac, c'est le thé qui est le plus qualitatif parce que normalement vous avez les vraies feuilles de thé. Mais sachez que quand vous achetez du thé en sachet, quand je disais le thé en sachet, je parlais de ceux vendus en supermarché parce qu'il faut savoir que les maisons de thé comme Daman, comme Mariage Frères, comme Palais d'été, etc. Leur thé, en fait, c'est le même thé qui est en vrac, mais que eux confectionnent en petite mousseline. Donc là, ce sera la même qualité. C'est juste que ben, vous n'avez pas, vous, à le mettre dans votre théière ou à faire votre sachet. Moi, je parlais vraiment pour les thés de supermarché. Voilà, c'est pas parce que c'est un thé en sachet que c'est un thé qui n'est pas qualitatif. Attention. Tout à fait. Voilà. Pour revenir un petit peu, on va faire un peu la boucle par rapport au matcha. On vous a expliqué comment ça se préparait, le matcha, comment ça se fabriquait. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont assez curieux justement, cette espèce de pierre angulaire de la culture du thé japonaise, qui est la cérémonie du thé. Alors, la cérémonie du thé, c'est quelque chose qui s'est codifié au fur et à mesure des années, tant et si bien que maintenant, l'art du thé est devenu une discipline qui s'enseigne. On appelle ça le chado ou le sado. Enfin, au Japon, vous entendrez plutôt le sado, ce qu'on n'emploie pas trop à l'étranger parce qu'il y a une autre connotation à ce mot-là. Donc, on dit plutôt chado en Occident, mais bon, c'est sado, normalement. Et il y a trois écoles, pour vous dire, qui. Développe chacune un protocole assez précis autour de la cérémonie du thé. Il y a des maîtres et des maîtresses de cérémonie du thé. Ça englobe d'autres arts aussi, notamment la calligraphie. C'est quelque chose d'hyper structuré, d'hyper codifié. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Par contre, on peut vous expliquer tout simplement comment se prépare un matcha dans les règles de l'art au Japon. Et vous allez comprendre que quand je vous disais tout à l'heure que préparer le thé pour quelqu'un, c'est un peu un acte d'amour, c'est pas pour rien, parce qu'on y passe du temps et c'est assez précis. Vous avez tous vu des images de ce petit fouet en bambou qu'on appelle le chasen, qui est un petit peu la représentation justement de la cérémonie du thé. C'est pas un pinceau, hein, c'est voilà, ouais, exactement, voilà, c'est un chasen, c'est vraiment des tiges de bambou. Donc, grosso modo, comment ça se passe? On va prendre de l'eau à 80 degrés. Pas 100 degrés, 80 degrés. Attention, pas un degré de plus. Pourquoi? Parce qu'à 100 degrés, on va tuer le matcha. Grosso modo, on va faire bouillir le matcha et on va tuer une grosse partie de ses éléments nutritifs et des éléments qu'il apporte au corps. Donc, il ne faut vraiment pas le faire bouillir. On va faire tremper déjà le chasen dans une tasse, parce que il va y avoir deux avantages. Le premier, c'est que ça va le nettoyer, pas le stériliser, mais ça va le nettoyer. Le mettre dans l'eau chaude, ça va aider à brûler un peu les impuretés, tout ça. Mais surtout, ça va attendrir, ça va ramollir un peu le bambou, parce que si vous faites sans le ramollir, si vous faites à sec la cérémonie du thé, vous allez très certainement casser des petits bouts de bambou dans votre thé, et vous voulez éviter ça à tout prix. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez verser un tout petit fond d'eau dans chaque tasse que vous allez servir, quelques centilitres, pas plus, et vous allez commencer avec une espèce de... Alors, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, hein. Il y a une espèce de longue cuillère très fine en bambou, mais non, on peut le faire autrement. Et Ah, du tu coup... parles de thé, t'en fais même pas à Vous... la maison. Ah, c'est Eh, on est connus. Lui, là, lui, tu vas faire des lives de thé chez lui, mais du thé à la maison, il n'y en a plus du coup. Je te sers, regarde.
brancard la semaine prochaine. Ben, je veux bien, oui. Tu donnes une place. Merci. C'est incroyable, ça. Va jouer, toi. Oui, non, t'inquiète, il a l'habitude. De quoi? Ah là là. C'est quoi, je prends même ton mug à toi, ton non, préféré. Non, c'est trop gros. C'est pas grave. Vas-y, excuse-nous. Hein. Il n'y a pas de soucis, salut. Comment ça va, PA? Bah écoute, ça se passe bien. On parlait de la cérémonie du thé, justement. Tu veux qu'on organise ça chez toi, un de ces quatre? Ah ben, ouais, parce que ça me permettra d'avoir du thé. Il n'y a pas de soucis. Alors... Mais effectivement, le par rapport au bambou, c'est... Alors ça, il faut savoir que le bambou, ça coûte à peu près entre, on va dire, 15 et 20 euros. Oui, c'est voilà. Pas excessivement le cher. Le petit coup en bambou. Si vous n'avez pas de magasin près de chez vous qui en font, ça se trouve sur Amazon. Hein, vous cassez pas la tête, il y en a de bonne qualité. Mais alors attention, acheter le bambou, c'est pas le plus dur. Le plus dur, il arrive. Donc du coup, vous mettez quelques grammes de thé. Alors généralement, cette fameuse cuillère en bambou incurvée, une portion de thé, de poudre de thé, on appelle ça une montagne, yama. Généralement, on dit qu'on met 2,5 yamas par tasse. Alors 2,5 yamas par tasse, grosso modo, Saphir, tu me corriges, mais c'est quoi, c'est 15 grammes à peu près? Même pas. Peut-être un poil moins. Un poil moins. Peut-être, ouais, peut-être. Donc pas beaucoup, grosso modo, c'est vraiment un peu moins qu'une cuillère à café. Voilà, un tout petit peu moins qu'une cuillère à café. Voilà, comme ça, ça vous situe voilà, le truc. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc vous mettez ça dans le fond d'eau, et là, vous commencez effectivement... à remuer donc le thé avec le chasen. Donc, le principe, c'est d'avoir le poignet très souple, parce qu'on va faire un mouvement comme ça. On va faire un mouvement circulaire, et il faut le faire jusqu'à que le thé commence effectivement à mousser, à faire une légère écume, une très très légère écume. Ça prend du temps, je l'ai fait. Je me suis fracassé le poignet la première fois. Honnêtement, j'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt. J'étais là, je fais « Bon, c'est bon, ça vient, mais non, toujours pas !» Donc, au début, si vous désespérez pas, ça prend du temps pour prendre le bon geste. C'est vraiment pas pour rien que c'est codifié, parce que c'est vraiment limite physique, hein, c'est limite physique à faire. Et ensuite, donc, vous complétez avec un peu plus d'eau. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment... Alors, j'allais dire que vous pouvez louper votre match, hein, dans le sens où il faut vraiment que vous puissiez... voir comment on fait le geste. Nous, à la boutique de thé, quasiment, alors sauf pour les personnes qui s'y connaissaient, hein, mais sinon, les gens qu'on initiait au thé japonais et qui un jour avaient envie de boire du matcha, souvent, en fait, on leur faisait la démonstration de comment il fallait faire. Parce que tous ceux qui ont acheté... Ah, je crois que j'ai perdu Saphir. J'ai une coupure sur Saphir. Est-ce que vous avez une coupure, vous aussi, sur Saphir? En fait, si ça marche pas, ça fait quoi? Eh ben, en fait, ça prend pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas... Le matcha, si vous arrivez à avoir le bon geste... Alors, toi, tu fais... Vas-y, montre-moi comment tu fais, toi. Toi, comment tu faisais avec ton poignet? C'est comme ça, tout en faisant un grand mouvement circulaire. En fait, c'est grosso modo faire un mouvement comme ça, en spirale. Alors, moi, j'ai pas le mouvement de la spirale. Moi, j'ai le mouvement... Quand tu as le thé, alors je suis jamais en face de la caméra, j'ai vraiment un problème. C'est vraiment, donc tu as ton bol, tu as ton truc, et en fait, comme des W. Tac, 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 tac. D'accord, tac, toi tu tac, fais comme tac, ça, tac, ouais, ok, il y a ce mouvement effectivement voilà. Là aussi. Voilà, ça, c'est parce que l'autre technique, j'ai jamais réussi. Et avec la technique de l'espèce de W, et après, par contre, quand vous finissez, donc il faut quand même le faire, on va pas se mentir, 30 bonnes secondes, à l'aise. Oui, à l'aise. Toujours à la même, voilà, à l'aise, hein, à l'aise. Et après, vous finissez en faisant le rond, voilà, et en enlevant délicatement votre bambou. Et vous savez que ça a marché parce que ça fait une mousse. Oui, et surtout si vous avez des Japonais et que vous les impressionnez, vous ne tapotez pas le chasen sur le bord de la tasse pour faire tomber la gougoutte. Non, 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 non. Vous sortez votre chasen, vous le posez, voilà, cul sur la table. Et vous verrez qu'il n'y a rien qui coule de toute façon. Si vous avez fait bien le boulot, la mousse va rester au-dessus. Ça ne va pas bouger. C'est pour ça que je disais, vous longez le rebord, hop, et vous soulevez, et on ne touche plus rien. On n'écrase rien. Alors, pitié non plus. Par pitié non plus.
Ne prenez pas votre bambou et ne l'écrasez pas contre un torchon. Ne faites pas ça au bambou. Il vous a rien fait. Il veut juste faire du matcha. Ne l'écrasez pas. Laissez-le. Vous le rincez un petit coup sous l'eau. Il sèche tranquille. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Ne l'écrasez pas parce que vous risquez... Il y a des personnes qui en ont cassé, enfin, qui en ont cassé abîmé comme ça. Et le problème, c'est que vous verrez, les bambous, en fait, ils ont vraiment une petite forme particulière. Et suivant ce que vous faites, si vous le cassez, c'est dommage parce que c'est des objets qui sont censés vous durer dans le temps. Voilà. Oui, et ça s'abîme très facilement. Est-ce qu'on parle très important du petit bol ? Ben oui, je vais te laisser parler du petit bol parce que moi, je vais me servir mon thé dans une théière que tu as. Tiens, on va voir si tu l'identifies, savoir si elle est en fonte ou pas, celle-là. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse ? Alors, franchement, dans tous les cas, vu qu'elle est chez toi, je suis tentée de dire vrai. Regarde ce thé. Regarde comme il est beau, ce thé. Ah ouais. Mais attends, t'as le socle ? C'est comment que c'est... Non, non, t'as un plateau. J'ai un plateau, oui, c'est un plateau, là. Elle est posée sur un plateau. J'allais dire, c'est quoi tout ce... Je voyais pas bien. Ah, d'accord, J'ai mes tasses, là. C'était pour montrer les tasses. Après, il y a des tasses de la plus simple... avec des trucs traditionnels, à la plus geek. Certains reconnaîtront ceci. Et là, comme thé, c'est un... Je ne sais plus le nom du thé, mais voilà. C'est... Vous voyez, j'ai toujours les boîtes comme ça. Avec les petites libellules. Eh bien oui, j'ai les petites libellules comme sur le... Alors, attendez, je vous le sors. Alors, celui-là, il est un peu moins technique parce qu'il est un peu plastique, c'est dommage. Mais ouais, il y a toujours les deux. Mais en fait, mais je me suis rendu compte qu'au Japon, il y en avait beaucoup avec le couvercle en plastique. De plus en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai plus long tête. C'est lequel, un ma chérie ? Ah, ça y est, ça arrive. C'est un. Voilà, c'est le. Ah oui, c'est le Batabatacha ! C'est le Batabatacha ! Ouais, voilà, donc de toute façon, c'est ça, on le voit, il y a le côté toujours grain de café, céréales, ouais. Hein, comme dans l'été torréfié. Tout à fait. Je te repasse la caméra pendant que je me sers, que tu expliques le petit bol. Alors, le petit bol, en fait, vous pouvez pas faire votre matcha dans n'importe quoi. C'est pour ça que le matcha, vous allez dire, dis donc, le thé, il est cher, il faut le bambou. C'est ce qui est sûr, c'est que vous pouvez pas dire, allez, je vais me faire du matcha sans avoir un minimum d'équipement. Alors, la chose dont vous pouvez vous passer... On va pas se mentir, c'est la petite spatule dont vous a parlé Tenchi. Oui. Ça, c'est pour le dosage. Si vous l'avez pas, vous pouvez passer. Parce que ça, pareil, il doit falloir compter. C'est une petite spatule en bambou. Hein, il doit falloir compter pareil dans les 12 euros. Ça, à la limite, on peut faire l'économie. Par contre, le fouet, on ne peut pas faire l'économie. Non. Sauf si vous achetez un petit fouet électrique. Je l'ai eu fait, je vous l'avoue. Ça ne m'a pas porté chance, il a marché deux fois il est mort. C'est des tout petits fouets électriques, vous posez et ça fait tout seul, mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas pareil. Vraiment le plaisir de, je sais pas, en fait ça rejoint exactement ce que vous disiez Tenchi tout à l'heure. Préparer le thé, c'est être dans l'ici et maintenant, c'est prendre le temps, c'est le faire. Donc ça fait partie de tout ce rituel, vous préparez votre thé, vous lui accordez du temps. Parce que lui va vous accorder ses bienfaits parce qu'il aura été bien préparé. Parce que la feuille de thé, si vous lui versez l'eau à 100 degrés dessus, c'est mort. Il n'y a plus les vertus et en plus, il est dégueulasse. Mmh. Ceux qui disent le thé vert, c'est pas bon, c'est amer, c'est souvent parce qu'il a été infusé pendant 5 ou 10 minutes avec de l'eau à 100 degrés. Et c'est pas du tout comme ça que ça se boit. Les thés verts japonais, ce sont des thés avec de l'eau, alors jusqu'à 80 degrés, voilà, comme pour le matcha. Sinon, des fois, c'est des thés à 60-70 degrés. Et certains thés, c'est une minute d'infusion. Voire certains, c'est 30 secondes d'infusion. 30 secondes. Vraiment. Pas plus. Surtout si vous voulez réutiliser votre feuille. Il faudra faire des temps d'infusion moins longs. Et donc, ce dont vous ne pouvez pas faire l'économie, c'est de votre petit bol. Alors, je ne sais pas si j'avais... Je crois que j'avais vu une jolie photo tout à l'heure. Votre bol à matcha... Qui peut pas être le bol où vous prenez vos céréales le matin. Alors attends, je vais te ressortir les photos. Ouais, je pense que je dois avoir ça en stock. Je vais te ressortir ça. Alors, on était sur quelque chose. Est-ce que c'est celle-là que tu voulais ? Voilà, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez le chasen au fond, vous avez le matcha devant, et vous avez ce qu'on expliquait, la petite cuillère en bambou, là, qui n'est pas vraiment une cuillère, une espèce de bambou recourbé. Et vous avez le bol, mais attends, je crois... Non, j'ai pas mieux que ça, attends, je vais vérifier, mais... Pour l'instant... Non, après, là, c'est trop loin pour voir dans le détail.
tout ce qu'elle fait, la demoiselle. Alors moi, je voulais essayer de vous montrer une petite photo. Alors je vais vous montrer la photo sans montrer la marque parce qu'on va se calmer avec les marques. Alors attends, je te remets l'écran sur toi. Hop là. Ah, celui-là, il est beau, là. Celui-là, il est très très beau. Voilà. Donc ça, alors ça, ce sont des bols en grès. C'est vraiment de... Là, vous avez vraiment la poterie japonaise. C'est des bols qui sont tous uniques parce que sont faits avec une technique. Et vous n'en aurez pas deux pareils au niveau de la coloration, au niveau... Pour cela, il faut compter dans les 50 euros. Voilà. Mais c'est vraiment un objet extrêmement beau. D'ailleurs, moi, je comptais m'en acheter un. Parce qu'avant, à la boutique où je travaillais... Alors, je voulais m'en acheter au Japon, mais inutile de vous dire qu'au Japon, j'ai déjà ramené plusieurs kilos de thé. C'était compliqué. Voilà. Au bout d'un moment, on ne pouvait pas tout ramener. J'avais peur que ça se casse. Mais je regrette parce que le bol à matcha, je trouve que c'est un objet qui peut même être un objet de décoration tellement c'est beau. Tellement c'est beau. Je vais vous montrer, moi, celui que je voulais m'acheter. Il était plus dans les tons de bleu parce que justement, moi, ce côté, tu sais, ce côté noir là, comme ça, je voulais pas. J'en ai vu un récemment, je vais vous montrer, que je trouvais vraiment très très beau. Et donc, la particularité de ce bol, c'est qu'il faut que le fond soit légèrement incurvé, mais pas beaucoup. Parce qu'en D'accord. fait, sinon, votre poudre, elle tombe en bas et avec le fouet, vous n'arrivez jamais à tout récupérer. Donc, il faut vraiment, les personnes qui prennent leur bol là comme ça, vous ne pourrez pas faire le mouvement, vous ne pourrez pas. Il faut vraiment que ce soit vraiment cette forme. C'est pour ça que acheter le bol, c'est un investissement, mais ça permet aussi bah, d'être sûr d'avoir le bon contenant. Je vais vous montrer une petite photo. Alors, pour Peut-être que l'instant, vous... je vais répondre aux questions qui sont posées sur le chat. Dark Angel, si on verse l'eau qui n'a pas bouilli, mais juste chaude, ça va. Bah, maintenant, sans avoir forcément les bouilloires à thé exprès, tu peux tout simplement, avec un thermomètre, prendre la température de l'eau pour voir si c'est bon, hein. Tu as des thermomètres de cuisine qui sont assez faciles à utiliser. Et comment, à l'époque, pouvait-on savoir que l'eau avait atteint la bonne température? Alors, tout simplement, c'est qu'à l'époque, en fait, il faisait bouillir l'eau. Il l'a versé dans un récipient qui servait justement au refroidissement de l'eau, et ils avaient calculé le temps que ça mettait à descendre à la bonne température, et du coup, bah, ils attendaient exactement le bon minutage de temps, et ensuite ils savaient que c'était à 80 degrés, et du coup, ils pouvaient se servir de cette eau-là. Mais il y a ce qu'on appelle des bols de refroidissement ou des récipients de refroidissement qui servaient uniquement à mettre l'eau à la bonne température. Et ce qui permettait aussi le fait qu'à l'époque de faire bouillir l'eau, ça évitait aussi les petits soucis de bactéries, maladies, etc. Je retrouve plus mon bol. Je retrouve plus ton bol. Quel manque de bol. Quel manque de bol Quel manque absolu. de bol. Merci beaucoup, j'en profite. Merci beaucoup à Miss Parker pour ses cheers tout à l'heure. Vous avez été beaucoup à follow la chaîne. Merci beaucoup à vous tous. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de follow qui sont succédés. Je ne suis pas dupe, je sais d'où ils viennent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, ça y est, tu l'as trouvé. Ah ouais. Ah, elle est sympa. Avec vraiment, tu sais, bon, ça ressort pas trop bien sur l'image, mais tu sais vraiment ces différents grades de bleu. Et je trouve ça vraiment très très beau. Et tu as C'est des tasses du coup qui sont beaux. assorti. Alors du coup, les tasses, elles servent à rien parce que tu bois dans ton bol. Mais ils font beaucoup de tasses comme ça, avec différents dégradés de bleu, vraiment bleu océan. Et je trouve ça vraiment très beau. Alors excusez-moi, je m'absente 2 secondes parce que j'ai préparé le thé à Julien et j'allais taper dedans. Là, je On pense t'en prie, que on t'en si en prie. plus je bois le thé, là, Il va ça craint. hurler, il va hurler totalement. On va la laisser revenir. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, il y a plusieurs points sur lesquels le thé, ça, c'est vraiment ancré profondément dans la culture japonaise. Quand vous voyagez au Japon, vous en rendez compte sur plusieurs aspects, mais je pense que c'est bien qu'on vous en parle un petit peu comme ça, non seulement sur. Encore merci pour les cheers, Miss Parker. Non seulement sur les différents types de thé, sur comment ça se passe, tout ça, mais aussi que vous compreniez un petit peu l'importance que ça a dans le quotidien. Et vous voyez. Toute la cérémonie, pourquoi ça a atteint une telle importance, pourquoi il y a des écoles autour de ça, c'est encore des points qui vous montrent à quel niveau c'est implanté dans le patrimoine culturel du Japon. Même si c'est quelque chose qui, comme beaucoup de choses, le Japon n'a pas de problème à aller récupérer des éléments à l'étranger, c'est comme ça que le Japon s'est construit, en s'inspirant de ce qui se faisait de mieux ailleurs, mais ils se le sont toujours approprié pour en faire leur version, qui était souvent une version assez élaborée, et le thé en fait partie, ça fait partie de ces aspects culturels. Revenons, et hop, la saphir est revenue. Dernier thé.
T'as ramené le thé. Du coup, vous voyez, la cérémonie du thé, c'est comme ça. Si vous avez la chance de voyager au Japon et si on vous propose d'aller faire une cérémonie du thé, je vous recommande. Ça me prend du temps, surtout les plus élaborées. Alors, s'il te plaît, préviens-les qu'ils vont être à genoux, là. Hein? Préviens-les qu'ils vont être... Ouais, parce que ça, c'est sympa. Il est sympa, Tenchi. Vous dites, ah, allez voir, ça dure 3 heures, mais c'est sympa. Sauf que vous êtes accroupis, les gars. Sachez-le quand même. Le premier quart d'heure, ça passe. Et Vous après, c'est pouvez, compliqué. pour les plus fragiles et pour les gens comme moi qui ont un gabarit qui font que le bas de leurs jambes prie de pas céder sur le haut du corps, vous avez la Je dois possibilité. t'avouer que moi, j'ai eu la chance de voir une cérémonie du thé, mais pas au Japon. Je l'avais vue, tu sais, quand il y avait eu à Aix le printemps japonais. Ils le font. J'étais quand même assez contente de pouvoir admirer tout ça debout. Parce que je pense que si j'avais été par terre, ça m'aurait quand même gâché une partie du plaisir. Au bout d'un moment, je pense que j'aurais eu du mal. On Alors, va pas se on mentir. est parfaitement d'accord. Maintenant, tant qu'on est sur le sujet, allez, développons. J'ai des astuces à vous donner. Il y a des tricheries. Vous pouvez demander un petit coussin qui s'intercale entre vos mollets et vos cuisses, qui vous permet d'un petit peu amortir un peu le poids et qui vous permet de tenir un peu plus longtemps. Ça a un effet qui est pas hyper long, mais c'est vrai que c'est pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'être à genoux, mais c'est vrai qu'à genoux, c'est plus sympa, mais c'est pas obligatoire. Vous avez maintenant. Les Japonais se sont ont un peu triché là-dessus. Vous trouviez ça en izakaya, maintenant vous le trouvez aussi pour les cérémonies du thé. Vous savez, les tatamis, il y a une table au milieu des tatamis, et en dessous de cette table, il y a un trou pour mettre les jambes. Donc vous pouvez être assis de manière classique, mais tout en étant sur un tatami. Donc là, ça fonctionne aussi, c'est pas mal. Au pire du pire, vous avez des chaises pour tatami. Et ça, on va vous les proposer assez souvent, qui sont des chaises sans pieds, donc vous êtes à même le tatami, mais qui vous donnent un dossier pour soutenir un peu le dos, et c'est pas mal. Donc il y a des astuces. Mais oui, la cérémonie du thé, c'est long, c'est toute une préparation, ça demande une grande patience, mais alors une fois que vous allez recevoir votre tasse avec votre petite pâtisserie, votre petit daifuku, là, à la pâte de haricots rouges, histoire de bien équilibrer les choses, vous allez tellement goûter votre bonheur que vous n'avez plus envie de bouger de toute votre vie. Je mens ou Mais pas? de toute façon, vous ne pouvez plus, vous sentez plus vos jambes. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Non, c'est pas interdit de Non, c'est s'asseoir en pas tailleur. pareil. Attends. C'est pas pareil, Dark Angel. C'est pas pareil que quand tu désherbes. Quand tu désherbes, tu bouges. Là, tu es statique, tu es immobile. Tu ne bouges pas. C'est pas pareil. C'est... Non, non. Ouais, tu attends. Après, c'est vrai que quand c'est long, c'est particulièrement douloureux. Moi, je l'ai vécu, pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire, parce que je faisais du kendo là-bas. Et au kendo, ben, on reste souvent aussi à genoux, le temps de faire les saluts, le temps d'avoir l'enseignement du maître, tout ça. On reste pas des heures, on reste, allez, un quart d'heure, max 20 minutes à genoux. Déjà, t'as envie de mourir. Déjà, t'as envie de mourir. Tu dis, ah, je peux me lever, aller taper des gens, s'il vous plaît. Ça me dérangerait moins. Non, non, mais c'est compliqué. Quand on n'a pas l'entraînement, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Après, faites gaffe, parce que des fois, on vous en propose. J'ai vu ça de plus en plus quand on. Maintenant, il y a Airbnb qui s'y est mis. Quand vous louez un Airbnb, bah, ça vous. Dans tous les pays du monde, mais au Japon, ils vont vous proposer des activités liées à l'endroit où vous louez, dans les alentours, genre des balades, des visites, des trucs comme ça. Et j'ai vu que de plus en plus, bah, ils proposent ce genre d'activités, de cérémonies du thé, de trucs comme ça. Donc à voir que ça soit pas des attrape-touristes, mais généralement au Japon, vous prenez pas de gros risques, parce que même si c'est un attrape-touriste, on va bien s'occuper de vous, il n'y a pas trop de soucis. Mais du coup, ça peut être intéressant. Moi, je conseille honnêtement Airbnb. Hein, de plus en plus, quand on va au Japon, c'est vraiment un bon compromis qualité-prix. Et si en plus, bah voilà, pour quelques euros de plus, vous avez une petite cérémonie du thé, c'est cool. La dernière fois qu'on était allé au Japon, il y avait une de nos amies qui est avec nous, qui avait justement eu la chance de croiser une copine française qui est mariée à un Japonais là-bas, et qui, elle, est inscrite dans une école de shadow. Et du coup, elle a fait venir un dimanche à son école. Ils l'ont fait exprès. Ils sont venus pour lui faire une démonstration. Elle s'est bien éclatée, mais ça, c'est vraiment un coup de bol. Mais maintenant, si vous avez envie, il y a moyen d'arranger des choses. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça permet de vraiment concevoir ce truc-là. Puis c'est vrai que, au-delà tout le Par contre, cérémonial, ouais.
Alors, j'allais te dire, en termes de prix, dans mes souvenirs, c'était entre 30 et 50 euros. C'est ça, c'est Donc, autour de ça, c'est autour de ça, c'est pas excessif. Mais au-delà de tout le cérémonial, et là je pense qu'avec Amandine on va se retrouver, avec sa fille on va se retrouver, il y a le goût. Il y a l'expérience culinaire. Et c'est vrai que l'amertume du thé, la douceur et l'amertume du thé, avec la petite pâtisserie qui vous est. C'est vraiment fait pour que ça s'équilibre. C'est vraiment fait pour être consommé ensemble. Et c'est une expérience culinaire qui, honnêtement, est vraiment. Enfin, moi, c'est pas grand-chose. On vous donne un petit gâteau comme ça, on vous donne une tasse de thé, vous dites, mais c'est tout. Et vous allez mélanger les deux, vous allez dire, non, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Merci, servi. Je sais pas si t'avais fait ça toi aussi, Alex, si t'avais fait le truc avec la petite pâtisserie ou pas. alors du coup, moi par contre, quand j'avais assisté à la cérémonie du thé, j'avais pas pu goûter. J'avais vraiment que regardé. Donc c'est vrai que après, moi les fois où j'en ai bu, ça a jamais été avec la petite pâtisserie. Ça a toujours été sans la pâtisserie. Moi, c'est à chaque fois, c'est quand je le préparais. Ah si, une fois. Si, sinon je mens. Une fois, c'est vrai que j'ai pu goûter et avec la petite pâtisserie. C'est vrai, une fois. C'est vrai que ça équilibre beaucoup. Ça, c'est pas pareil que de boire. Et puis bon, après, c'est pas pareil parce que j'allais vous dire, il y a des gens, ils veulent boire leur. En fait, c'est leur thé du matin, ils se préparent leur matcha, ils le boivent. Je trouve que c'est pas pareil que quand tu assistes à la cérémonie thé et qu'après tu bois ton thé avec la petite pâtisserie. C'est un rituel qui fait que. Ouais, tu consommes pas la même chose en fait, hein. Tout à fait. Alors, comme pâtisserie, là, je voyais un peu sur le chat, on a ce qu'on appelle des dive crews, c'est-à-dire de la pâte de riz un peu gluante, qui enveloppe généralement de la pâte de haricots, les haricots rouges sucrés. Donc, vous avez ça. Vous en avez à différents goûts. Moi, j'en ai goûté au sakura, qui donne un petit équilibre, un poil d'amertume qui est pas mal aussi. Vous en avez enveloppé dans des feuilles. Donc qui donne aussi un petit goût aussi particulier. Vous avez en haricots rouges, vous avez des millions de façons de décliner le haricot rouge. Souvent, vous avez des pâtes qui ressemblent à des gelées. Vous savez, à la gelée de coin. Ça y ressemble un petit peu, mais ça part d'haricots rouges. Et ça, pareil, c'est quelque chose de très frais qui se déguste bien avec le thé. Donc, et il y a des petits gâteaux aussi en forme de feuilles d'érable qui se dégustent aussi avec le thé japonais. Donc, vous avez tout ça, les dango, oui, les dango, le. Le combo, alors le dango se consomme plutôt avec le sencha. Ça se consomme plutôt avec le sencha, moins avec le matcha. Tout simplement parce que le dango a un goût qui est quand même plus fort. Ne serait-ce que le sirop qui est sur le dango, l'espèce de coulis qu'il y a sur le dango, et vous envahit facilement la bouche. Et je pense que le goût est un peu trop fort pour s'équilibrer avec la subtilité du matcha. Mais du coup, avec le sencha, ça passe plutôt bien. Au même titre que moi, j'ai été choquée la première fois de voir en fait, qu'on pouvait prendre du matcha latté. Alors c'est vrai que moi, je suis pas une grande fan de lait, hein, et je me disais non, avec le thé vert, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment très bon. C'est différent parce qu'il y a moins d'amertume, mais il y a plus un côté rond, un côté gourmand, et c'est vrai que c'est vraiment très bon. Moi, franchement, j'avais vraiment été bluffée de voir comme ça pouvait être. Ouais, puis Bon, c'est pas la même qualité non plus, hein. C'est ouais, pas ce que oui. je veux dire du Il thé, y a, y a, mais. le matcha, y a le matcha latte de Starbucks, il y a le matcha latte des trucs spéciaux Voilà. matcha, voilà. Il y a des glaces au matcha. Le matcha est toujours en plus très très à la mode, donc il y a eu des déclinaisons un Et petit de peu à plus en l'infini. plus. Ouais, de plus en De plus. plus en plus à la mode, parce que voilà, maintenant qu'on a parlé du fait qu'il y avait des vertus antioxydantes, moi, il y a plein de fois où il y a des nénettes, parce que c'est plutôt les nénettes, hein, qui sont venues à la boutique en disant. Ben, je veux boire du matcha. Donc, toi, tu es là et tu leur dis, ben oui, il y a le sachet. Alors, déjà, tu cites un peu sur le prix. Et elles te disent, ben, je peux pas acheter celui-là. Tu fais, alors, celui-là, c'est pour cuisiner, à boire. C'est pas top, hein. Ah, ben alors, je vais prendre ça. Mais alors, du coup, il vous faudra un fouet, il vous faudra un bol. Ah, ben, on peut pas le boire comme ça parce qu'en fait, c'est pour les antioxydants. Après, tu peux le manger à la cuillère aussi, c'est pour les Voilà, c'est. antioxydants. Mais voilà, c'est. Voilà. Faut quand même. Il faut quand même, voilà, le savoir le préparer et c'est quand même mieux. Mais c'est vrai que ça fait partie des thés. Je trouve que c'est l'un des raretés qui demande, bah, ce qu'on disait, un petit peu plus d'équipement, un petit peu plus de savoir-faire. Donc il est peut-être moins accessible de ce côté-là qu'un autre thé. C'est vrai. On te demande, Saphir, tu conseilles quelle consommation de thé tout au long de la journée ou à des moments précis?
Ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi. Il faut savoir ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au thé, au café, à la théine. Il faut savoir que la théine, c'est un petit peu fourbe. Le café, vous le buvez, ça vous donne un grand coup de fouet. La théine, c'est fourbe parce que ça va se diffuser progressivement tout au long de la journée. Le pire thé, c'est celui que vous prenez à 17h. Si vous prenez un thé super théiné à 17h, ça va décaler au niveau de la théine et c'est quand même un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le thé, il a beaucoup, beaucoup de bienfaits et on les a cités tout à l'heure. C'est antioxydant, ça évite les maladies cardiovasculaires, ça prévient du cancer du sein chez la femme. Enfin, il y a plein d'études qui ont été menées par des Japonais en plus, évidemment, vu que c'est leur thé, et qui sont très bien. Par contre, le thé, ça reste une boisson dont il faut quand même faire attention, dans le sens où c'est une boisson qui va empêcher le fer que vous allez ingérer de par votre steak haricot vert que vous allez manger le midi. Ça va empêcher le fer de se fixer dans votre organisme. Alors le fer que vous possédez déjà, ça ne l'enlèvera pas. Mais celui que vous allez prendre au moment du repas ne pourra pas se fixer. Et c'est comme ça qu'en buvant beaucoup, beaucoup, beaucoup de thé et beaucoup dans la journée, vous risquez de créer cette anémie en fer. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire attention. Mais ce n'est pas grave dans le sens où quand on dit le thé, y a des thés qui sont moins théinés. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, les tiges de thé, en plus, ce qui est bien, alors, j'ai vu que tu en avais toi aussi, il y a certaines marques de thé, vous voyez, comme par exemple ici, ils vous mettent, regardez, le temps d'infusion, c'est un peu flou, la température de l'eau et surtout quand est-ce que vous pouvez le prendre. Et en fait, là, il y a le petit soleil pour dire que vous pouvez en boire dans la journée et la petite lune parce que comme c'est des tiges de thé torréfiées, ce sera très faible en théine. Donc du coup, si vous aimez boire des boissons chaudes, voilà, toi aussi. Ah non, toi, non. Toi, non. Le tien, non. Que dans la journée. Que dans la journée, sûr. Parce que toi, tu as des feuilles de thé dans le tien. Ouais. Et par contre, si je regarde l'autre, le Genmaicha, je pense qu'on est... Non, c'est pareil. Le Genmaicha, il est faible. Alors, le Genmaicha, il n'est pas... Eh oui, non, mais attends, c'est pas un Genmaicha, c'est un Genmaicha Midori. C'est pas un Genmaicha. Donc là aussi, le problème, enfin, c'est un peu technique. Le Genmaicha, normalement, c'est avec une base de thé qu'on dit Bencha. Qu'est-ce que c'est le Bencha? C'est la dernière récolte de l'année. Donc, on a dit que quand c'est la première récolte de l'année, c'est ce qu'on appelle les Sincha, on prend que le bourgeon. Mmh. Et quand c'est le Bencha, c'est avant l'hiver. C'est quand l'été est passé, etc., on récolte. Donc, les feuilles, en fait, c'est les feuilles beaucoup plus basses du théier et qui sont beaucoup moins chargées en théine. Ça, normalement, c'est ce qu'on met dans le Genmaicha classique que vous allez boire dans votre petit restaurant japonais. Genmaicha Midori, on est déjà sur des récoltes de thé plus qualitatives. Et après, si vous avez le Genmaicha avec du matcha, ben forcément, il y a plus de théine parce que vous avez le matcha. Et si vous prenez le Genmaicha Sincha, donc avec les feuilles de thé récoltées au printemps, ce sera très théiné puisque c'est dans le bourgeon qu'il y a le plus de théine. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à ce que vous buvez. Que ça peut vraiment avoir une incidence sur le cycle de... Parce qu'il y a des personnes que ça perturbe. Normalement, le thé, ça énerve pas parce que vous n'avez pas une grosse dose d'un coup. Mais par contre, ça peut perturber votre sommeil. Après, c'est bien parce que ça hydrate, mais il faut faire attention parce que c'est très drainant, le thé. Donc, ça veut dire que ça va faire beaucoup fonctionner vos reins. Donc, si vous buvez que du thé tout le temps, toute la journée, vous allez énormément faire pipi, mais vous allez énormément drainer. Donc, si vous faites ça tous les jours, vos reins, ils se fatiguent. Et surtout le soir. Le soir, les reins, il faut les laisser un petit peu se reposer de la journée. Ouais. C'est mieux de boire. Mais après, vous avez d'autres alternatives. Vous avez le rooibos, qui n'est pas du thé, qui est une plante d'Afrique du Sud, qui est donc sans théine. Vous allez avoir les infusions de plantes, ce genre de choses. Moi, je pense que le thé, c'est bien le matin, ça hydrate. Ça peut être bien dans l'après-midi, mais si possible, une heure après le repas, pour ne pas avoir les effets négatifs. Après, par contre... Si vous avez, d'ailleurs, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais les personnes qui ont trop de fer. Si par contre, vous avez ce problème-là, que vous n'êtes pas anémié, mais que vous avez trop de fer, boire du thé pendant le repas, au contraire, ça peut être une bonne alternative. Dans ce cas-là, ça ne posera pas de problème. Il faut faire attention, voilà, à ce genre de petites choses.
Ouais, c'est vrai que C'est des bons la conseils. consommation Bon, il faut pas faire n'importe quoi. Moi, je sais que le thé, je le consomme plutôt le matin. Ça m'arrive d'en consommer le soir, mais c'est plutôt des infusions. Là, c'est vrai que ce soir, je me suis fait un petit peu plaisir pour le live. J'aime beaucoup le thé en fin de repas, surtout les thés de digestion, voilà, les thés noirs, les trucs comme ça, parce que j'aime beaucoup ça. Il faut savoir qu'au Japon, si jamais vous habitez, vous allez résider chez des habitants, vous aurez extrêmement souvent un broc ou une carafe de thé froid au frigo, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le sens que c'est vraiment une des boissons de base. Et eux, ils en consomment pas toute la journée, parce qu'il y a un moment, voilà. Mais c'est vraiment la boisson du repas, par exemple. La boisson qui accompagne le repas, c'est plus du thé que de l'eau ou autre. Mais vraiment, ce thé froid, alors c'est un thé froid qui est fait pour être préparé comme ça, hein. C'est un thé qui est en sachet, on met un sachet dans la carafe, et puis voilà, on laisse infuser, et puis on peut même laisser le sachet dans la carafe, même 2-3 jours, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un truc assez léger, je pense. Je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans exactement, je regarderai, tiens. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui a une grosse, grosse incidence sur la théine ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est plus du goût qu'autre chose. Alors après, ce qui est sûr aussi, c'est que quand vous faites votre thé, moi c'est vrai que quand je fais du thé vert en thé glacé, je le laisse infuser qu'une demi-heure parce qu'après, en fait, je trouve que ça devient amer. Ce qui est sûr, c'est que la théine, elle se diffuse pas pareil dans le chaud et dans le froid. Dans le froid, elle se diffuse très peu et très lentement. Donc l'intérêt aussi de le boire froid, c'est que ce sera beaucoup moins théiné. Tout à fait. C'est l'avantage aussi. Et si vraiment vous avez des problèmes avec la théine, il faut savoir que quand vous faites votre thé à chaud, c'est ce qui se diffuse dans les 30 premières secondes. C'est toute la théine qui sort. Si vous laissez votre thé 10 minutes, après la théine, il n'y en a plus. Donc ce que vous pouvez faire pour les personnes qui ont quand même des problèmes avec tout ce qui est théine, etc., c'est faire infuser 30 secondes, jeter la première eau et refaire infuser. Si vraiment vous avez un problème avec ça, ça peut D'accord. être une petite astuce. Ah, je connaissais pas l'astuce, c'est intéressant ça. Alors pour revenir un petit peu à la folie du matcha, pour un peu être dans l'actualité aussi, là je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait un peu dans cette mode du matcha. Alors on a dit des milliers de déclinaisons, mais alors je suis tombé sur un truc qui m'a fait beaucoup rire. Et je pense que moi ça m'a fait rire. Je pense que Saphir, ça va la faire hurler. Il y a des izakaya de plus en plus qui proposent de la bière au matcha. C'est-à-dire des bières pas infusées, mais avec de la poudre de matcha dedans. Alors, j'ai jamais goûté, moi, honnêtement. Alors, les pâtisseries, oui, il y en a beaucoup des pâtisseries matcha, on peut en parler un petit peu après. Mais je suis tombé là-dessus, sur la bière au matcha. Bon, on testera. De ce que j'ai vu, c'est pas exceptionnel au niveau du goût, parce que je pense que l'amertume du matcha plus l'amertume de la bière, ça va pas être génial. Ouais, j'allais te dire, je vois pas trop comment les deux peuvent se marier dans le sens où la bière, il y a quand même ouais, ce côté un peu. Ouais, j'ai du mal à visualiser ce que ça peut donner. Bah, c'est un petit peu la mode actuelle en fait, cette histoire de bière au matcha. Là, j'en ai entendu parler récemment. Bon, il y a souvent des tendances comme ça. Vous savez que le Japon, il n'y a pas trop de limites aux expérimentations. On peut en acheter en Alors, France, je dois tiens. t'avouer que ça me fait pas plus criser que. Parce que bon, bah, c'est dans la bière. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui achètent le matcha. Je n'en fais pas partie. Je n'ai jamais essayé. Peut-être je devrais. Qui prennent le matcha et qui en font des masques. Donc, elles ne le Oui. boivent pas parce qu'elles en font des produits de beauté. Bon. Moi, c'est vrai que même celui de cuisine, je ne me voyais pas. J'ai jamais réussi à passer le cap. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que bah, avec justement le matcha de cuisine, on peut préparer de la pâtisserie, du gâteau, des sablés par exemple, des crèmes. Vous faites des tiramisu saupoudrés au matcha, j'ai vu ça aussi, c'est pas mal. Alors ça déboîte. Ça, franchement, c'est trop, trop bon. Moi, le meilleur que j'ai mangé, alors, quoi qu'il y a deux endroits où je l'ai mangé, où il était vraiment très bon, notamment, tu sais, à Aix, au Naruto, ils le font et il est vraiment très, très bon. Mais c'est vrai que vous avez un tas de recettes. Vous pouvez faire les crêpes au matcha aussi. Vous pouvez faire tout ce qui est muffins avec des fruits rouges, du chocolat blanc, ça se marie super bien. Vous pouvez faire bah, les sablés, voilà, des choses un peu plus. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variétés possibles. Hein. D'accord. Les sablés, ouais, les sablés, j'en mange assez souvent, c'est assez facile à préparer.
Qu'est-ce qu'on Mais avait moi, tu goût? vois, le matcha, Ouais. c'est vraiment sablé. Alors, peut-être parce que, on va être honnête, c'est peut-être parce que je suis pas très fan des sablés. Du coup, c'est vrai que le matcha, ça me... en sablé, ça me plaît pas des masses. Ouais, ça te plaît pas des masses en sablé? Ouais, non. Non, pas trop. D'accord. Pas trop. Ah, ça y est, Il y a le voilà. fameux melon pan. Ah, Le, ah oui, ah oui. oui, Ah, voilà. sévère, hein. Oui, Sévère. c'est pas une blague, hein, quand je dis c'est de la bière au matcha, voilà. C'est pas la bière de la Saint-Patrick, mais on n'est pas loin. Après, Généralement, je ça te va être de cache la pas blonde, hein. que bah, moi j'aimerais bien tester quand même. Je suis pas une grande fan de bière, mais j'aimerais bien tester, voir ce que ça peut donner. Comme pour t'acheter ton petit bol, t'inquiète, tout n'est pas perdu, le Japon réouvrira un moment ou un autre. On va y retourner, on va y retourner, y a pas de souci. J'espère. Oui, les madeleines au matcha, c'est très très bon. Pareil, si vous faites vos madeleines au matcha et que vous faites une petite coque en chocolat blanc, moi je dis ça, je dis rien, mais Le je vous le dis quand même. chocolat au matcha, il y a en ce moment, il y a des gens qui le font de manière assez équilibrée au niveau artisanal. À Aix, il y a une boutique d'ailleurs qui en vend, qui est très très bon. Tu sais, au niveau de la place des sangliers, près de la mairie, tu vois à peu près? Bah, c'est pas les détails. Non, alors c'est pas le palais d'été. C'est un tout petit magasin qui est à l'angle près du bar Brigand, qui fait principalement des macarons, des chocolats, des pralines, des trucs comme ça. Et là, dans ces chocolats, il a des tablettes de chocolat au matcha qui sont super bien équilibrées, qui sont pas trop Près de sucrées. la place des sangliers. Enfin, la place, tu sais, la place du marché, là où il y a la poste, Oui, tout ça. je vois le sanglier. Tu vas vers le bar Brigand, tu descends et tu as des petites rues, tu sais, la petite rue qui fait l'angle Ouais. avec le bar Brigand. C'est exactement là. Bah, c'est là où on va souvent parce que Florence Torta adore les macarons de là-bas. Et tu sais, ils D'accord. font des macarons, genre les macarons géants comme ça, machin et tout. Et du coup, j'avais acheté. Oui, d'ailleurs, oui, c'est les macarons à l'ancienne qui font eux. Exactement. Et Et. oui, alors eux, je sais plus parce que en plus, j'allais te donner le nom. Plus ça a changé. Oui, et eux, effectivement, ils font beaucoup de tablettes de chocolat. Et je ne savais pas qu'ils en faisaient au matcha. Palais d'été, je sais que passé un moment, ils faisaient des petites tablettes de chocolat matcha. Ça, eux, oui. Mais par contre, les autres, je ne savais pas, tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas trop annoncé. Non, c'est vraiment. J'ai fouillé un petit peu et du coup je suis tombé dessus, mais je l'ai trouvé bien parce que contrairement aux autres tablettes de matcha que j'avais goûté, que des fois tu trouves de temps en temps en grande distribution ou quoi que ce soit, bah c'est du chocolat blanc à la base, donc c'est hyper sucré, c'est un peu machin. Là, celui-là était un peu moins sucré, un peu plus équilibré, ça passait pas mal. Tout peut pas être associé au matcha, non, bah, bien sûr que non, mais bien sûr que le Japon va tout essayer. Ne t'inquiète pas. C'est comme ça qu'on découvre les limites, c'est en essayant un peu tout. Je pense que le jour où on arrive à la bûche de chèvre au matcha, on sait qu'on aura atteint une limite quand même. Mais. Ce sera un moment où on se dira peut-être il faut s'arrêter. Bien Bien que. que sachez, alors pas le matcha, mais vous avez beaucoup de thé. Alors ça fait hurler Julien. Je l'ai vu d'ailleurs, hein, j'ai vu passer les commentaires que ce qu'il buvait était horrible. Alors sache, Tenchi, que la chose qu'il trouve, je ne sais plus quel est le qualificatif, c'est les tiges de thé torréfiées. Ah, il Il a aime pas trouvé ça ça. immonde. Oh là là. Voilà. Vraiment Eh donner de ben la tant pis. confiture au cochon, hein, ce garçon, c'est pas possible. Comme tu dis, comme tu dis. Ah tiens, il a entendu. Entendu. Alors, Immonde. qu'est-ce que c'est Ah, immonde? c'est immonde. Il y a des algues et tout Mais là-dedans. c'est toi la algue sang, c'est ça que je t'ai fait C'est goûter. horrible. C'est horrible. C'est des tiges de thé torréfiées. Oh, crache pas dans mon sac! Il est fou! Je ne peux pas en faire un autre parce que là vraiment j'ai un sale goût dans la bouche, quoi. Ah, il y a un mélange d'algues et de pelouse de foot, quoi, c'est horrible. Alors, impossible. Julien, tu veux Impossible. le mien? Je te le file si tu veux, j'en ai encore une théière pleine. Oh putain, ah ben non, 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 là franchement, en plus tu le sais que ça me plaît pas Mais pour... Ah ça. non, franchement, ça, je savais pas que ça te plairait pas. C'est des tiges de thé torréfiées, il y a un petit goût céréal. Ah non, 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 il n'y a pas de monde céréale du tout là, faut des Eh, tu conneries fous tout en l'air l'émission, là. Mais c'est. Ben, excusez-moi, j'ai pas le palais qui me Ne permet l'écoutez d'identifier les pas. céréales. Voilà. Algues. Mais où il y a des algues? Mais il n'y a pas d'algues. Tu lui parleras de la bière au matcha, ça va lui plaire. Tiens, par contre, Oh là. il nous a offert une belle transition. C'est vrai qu'il y a des thés qui sont salés au Japon. Ça, c'est vrai. Oui. Effectivement, les thés aux algues, ça existe. Il y a notamment il y a un thé salé. Alors, lui, il n'est pas à base d'algues, il est à base de fleurs de sakura. Qui est. Ouais, ça c'est un peu pareil l'été avec la prune salée Oui. là.
ça, je dois quand même t'avouer que quand je l'ai goûté, je suis restée un petit peu en méditation sur ce que j'étais en train de boire. Ouais, c'est quoi? C'est un peu original. Ouais. Alors, Ouais. j'ai honnêtement, au début, j'étais pareil, j'étais assez perplexe. J'ai pas détesté ça, hein, loin de là. Mais après, j'ai compris. En fait, j'ai compris quand je suis allé balader dans les villes thermales, dans les villes où il y a beaucoup d'onsen, où certaines eaux thermales sont buvables, parce que elles sont pas chargées. Genre, c'est pas, tu sais, c'est pas les eaux thermales qui sont riches en fer, qui sont quasiment orange marron. Ouais. C'est les eaux thermales qui sont plus, elles, riches en sodium. Donc, ils sont plus blancs, translucides, un peu machin. Et qui dit riche en sodium veut dire un petit bout de sel sur le fond. C'est bon. Et comme du coup, il y a l'habitude de consommer ces eaux-là, qu'elles sont tout à fait propres à la consommation, je me suis dit que c'était là devait émerger de ce genre de goût-là, d'eau un peu salée, et que du coup, ils avaient dû, je pense, faire des tests en mettant effectivement soit des algues, soit des fleurs, soit des plantes dedans pour voir un peu ce que ça donnait. Et je pense que c'est l'origine de ces thés salés. Et mais si, alors moi j'ai pas trouvé ça mauvais, mais c'est vrai que ça m'a pas mais je pense que c'est vraiment une question de goût, c'est-à-dire que j'ai rien contre le sel, mais tu vois par exemple même les eaux gazeuses style Salvetta et tout ça, j'aime pas quoi. Je pense que c'est ça qui m'a un petit peu bloqué parce qu'il y a quand même ce goût un peu salé hein. Tout à C'est fait, quand tout à même fait. C'est compréhensible. Moi, j'aime bien celui à la prune salée parce que j'aime bien la prune salée de base. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie bien. Bon, dire que j'aime le sel, comme tu l'as très bien fait remarquer en début de live, c'est un doux pléonasme. Je pense que tu rajoutes du sel dans ton thé salé. Moi, je pense, mais bon. Mais non, non, c'est pas mal. Alors, j'en boirai pas tous les jours, je vais pas mentir, mais une fois de temps en temps, c'est vrai que c'est agréable. Mais soyez pas surpris si jamais vous commandez ça sans faire trop gaffe dans une maison de thé au Japon qu'on vous apporte un thé salé, qu'il n'y a pas une erreur sur le produit, c'est qu'il y en a, ça existe. Oui, ça existe. Ils ont souvent d'ailleurs une couleur un peu rouge rosé, c'est difficile à dire ça en même temps. Rouge rosé. Donc voilà, c'est. Oui, avec le sel. Le sel du thé. Alors, tiens, on te pose une question, Saphir. Le Yasumi Matcha à Aix, est-ce que tu valides? Je connais pas, tiens. Alors écoutez, j'ai pas eu le temps d'aller tester. J'ai pas eu le temps d'aller tester parce que ça fait déjà plus d'un an qu'ils existent, il me semble. Ils avaient commencé à faire les travaux avant le confinement et puis il y a eu le confinement. Et c'est vrai que moi, depuis le premier confinement, je suis allée en ville, mais ça fait partie. T'es dans la rue, tu sais où il y avait le Saïgon? Je sais pas si tu Je vois. vois très bien, oui. Voilà. Ils ont ouvert et en fait c'est une rue dans laquelle par laquelle je ne passe jamais. Donc en fait vous voyez là c'est en parlant vous m'y avez refait penser mais j'avais vu mais je m'étais jamais arrêtée. Et effectivement ça méritera là à partir de demain, quoique non ça fait partie des trucs Ah, je sais pas si ça de réouvre cuisine demain, donc ça. je sais pas si c'est où. Bah, normalement c'est tout ce qui est cuisine et tout ça et il y avait sur place mais à emporter il doit y avoir. Je pense qu'il doit y avoir. D'ailleurs, je vais passer demain sur Aix, donc je verrai, j'irai jeter un coup d'œil, tiens, si c'est ouvert. Je dois passer sur Aix faire du change. Et oui, j'ai besoin de francs suisses, beaucoup. Donc voilà. Ouais, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'on se perde pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vais regarder un petit peu où on en est au niveau du timing. Wow, on a encore 20 minutes avant la fin de l'émission, mais on est tranquille pour prendre Alors quelques moi, je questions. voulais revenir sur un sujet Vas-y, ma belle. concernant tout à l'heure, tu as montré ta jolie théière. Ouais. Ah oui. Voilà. Moi aussi, je vais vous montrer ma jolie théière. Vu que chacun montre sa théière, je vais vous montrer ma jolie théière. Regardez. Regardez, regardez. Alors forcément, celle de Tenshi est noire et forcément la mienne Et bleu. est violette. Violette. Si vous voulez. C'est Ouais, on violet, voit. d'accord. Ouais, c'est vrai que les couleurs sont pas trop. En plus avec la lumière et tout, mais voilà, c'est violet. Alors, les théières. La théière, vous faites n'importe quel thé à l'intérieur. Eh bien, pas forcément. Il faut savoir là aussi qu'il y a différentes théières. Au Japon, ce sont des théières en fonte qui sont fabriquées. Donc la fonte, la théière en fonte, c'est très lourd. Celle-là, elle doit faire à l'aise 2-3 kilos. Hein.
c'est très lourd. Vous avez différents formats. Généralement, elles n'excèdent pas 1,5 litre. Et déjà, 1,5 litre, c'est très gros. Ceux qui disent, on aimerait une théière de 2 litres en fonte, tu dis, ouais, mais après, il va falloir se soulever les 10 litres, quand les 10 kilos. Hein, hein, donc, ce n'est pas évident. L'avantage de votre petite théière en fonte, c'est qu'elle va garder la chaleur. L'avantage aussi, c'est que je vous montre à l'intérieur, elle est comme ceci. Vous voyez, elle est émaillée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire n'importe quel thé à l'intérieur. Un thé parfumé aux fruits rouges et le lendemain un thé vert à la menthe, ça ne va pas garder le goût. Attends une seconde, ma belle. Merci beaucoup, Vortegame, pour le host du stream. C'est super gentil de ta part. Par contre, le petit bémol, il faut acheter une vraie théière en fonte. Les théières que vous achetez, je ne peux pas citer de marque, ce n'est pas Lipton, hein, mais les théières que vous achetez je ne sais où et qui vont vous coûter 12 euros, ce ne sont pas des théières en fonte. Vous allez les payer pas cher, vous vous dites que c'est une bonne affaire, sauf que comme elles ne sont pas émaillées, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont de suite rouiller partout. Et votre théière, vous allez vous en servir 3 mois et vous la mettez à la poubelle. Donc, encore une fois, une théière en fonte... Ah oui, alors faites très attention parce que la fonte, du coup, elle est chaude. Hein. Faut penser à ce sur quoi vous allez la poser, etc. La théière en fonte gardera la chaleur. La théière en fonte est un très bel objet que vous garderez. Moi, celle-là, je l'ai depuis plus de 10 ans. Voilà. Pareil. C'est vraiment des objets que vous pouvez garder toute une vie. Donc, on ne va pas se mentir, il faut compter une centaine d'euros, voilà à peu près, bon, suivant les marques, suivant. Mais c'est un objet que vous allez garder. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, ça ce sont plutôt des théières chinoises, vous pouvez acheter des théières en terre. Vous avez différentes coloris. C'est, on va dire, entre le marron, le orange et le noir. Hein, c'est pas très varié. C'est des théières faites avec la terre de Yingzi, donc en Chine. L'avantage de ces théières, c'est que si, par exemple, vous aimez les thés verts japonais, vous faites votre thé vert dedans et en fait, ça va garder les arômes. Alors surtout, il ne faut pas faire des thés parfumés parce que là, votre théière, elle est flinguée. Et ça va garder les arômes. Donc, ça va garder cet arôme un peu... fruits de mer, un peu vert, végétal, ça va vraiment s'imprégner de ces arômes-là. La théière, c'est des théières qui gardent la mémoire de votre thé. Et sinon, vous avez les théières en verre. Comme ça, vous prenez pas de risque. C'est joli aussi parce que vous voyez la liqueur, quoi. Donc, quand vous allez faire votre thé vert japonais, vous allez avoir cette belle couleur vert... J'allais vous dire un peu, certains thés, ils ont même ça fait même cette couleur un petit peu. Pas de blague, c'est pas dû à Fukushima, rien à voir. Voilà, pour tous ceux qui posaient la question, en boutique de thé, le matcha c'est vert parce qu'il y a eu Fukushima. Non, c'est de la chlorophylle, c'est du thé, c'est vert, c'est normal. Voilà. Donc, la théière transparente, la théière en verre, il faut faire attention parce que ça casse. Mais sinon, ça gardera pas trop longtemps la chaleur. Mais ça peut être un bon compromis parce que les théières en verre, pour le coup, vous en avez qui peuvent être dans les 20-30 euros. Voilà, à peu près pour les différents accessoires pour préparer votre thé. Alors tiens, j'en profite que tu parlais un peu de Fukushima. Ça me permet de replacer quelque chose sur la culture du thé. Il faut savoir qu'il y a eu un gros impact de Fukushima sur la diffusion du thé japonais à l'international. Bon, y a beaucoup d'inquiétudes, hein, parce que est-ce que la radioactivité pouvait rester sur les produits donc biologiques comme le thé. Et effectivement, il y a eu une grosse perte parce qu'il y avait de la culture du thé dans la région de Fukushima. C'est une zone rurale à la base, hein, la région de Fukushima. Et oui, effectivement, bah, le thé de Fukushima a été détruit, tout simplement. Il n'avait jamais été exporté, il a été détruit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas, dans le commerce, tomber sur du thé de Fukushima, tout simplement parce que il n'y a plus de plantation de thé à Fukushima dans un rayon de plus de je sais pas combien de kilomètres autour de la centrale, tout simplement parce que pour éviter une contamination au radium et aux différents éléments radioactifs du sol par la centrale, par l'eau notamment, en fait il a été planté une plante de manière exclusive
sur tout ce périmètre autour de Fukushima, qui est la seule plante qui absorbe les éléments radioactifs et qu'on peut ensuite après détruire, c'est le chanvre. Voilà. Donc, il n'y a plus de thé à Fukushima, il n'y a que du bédo. Donc, tout va bien. Si on vous passe autre chose, il n'y a plus que, au niveau culture, dans un périmètre de centaines et centaines de kilomètres de Fukushima, il n'y a plus que du chanvre. Donc, n'ayez pas peur quand vous achetez du thé japonais. Le thé japonais que vous allez trouver ne viendra pas de Fukushima parce qu'il n'y a plus de culture là-bas. C'est terminé et ça sera terminé pendant un petit moment. Je le garantis. Alors, sachez aussi que quand ça s'est produit, ce qui a été un drame, hein, parce que économiquement là-bas, alors déjà humainement, mais économiquement, le thé c'est quand même quelque chose qu'ils produisent en grande quantité. Quand ça s'est produit, ça a été 2 mois avant les récoltes de printemps. Donc ça a foutu en l'air toute une année. Donc toute une année de travail, plus l'année d'après. Ça a été très compliqué aussi. Alors nous, on travaillait par rapport à l'enseigne avec laquelle je travaillais. On travaille directement avec des producteurs. C'est-à-dire que notre PDG va sur les terrains, rencontre ce qu'on appelle les managers, parce que ça s'appelle des managers, les personnes qui s'occupent des théiers. Et donc, en fait, ils sont en direct avec eux pour goûter les lots, etc., etc. Même si après, vous avez des lots qui sont vendus aux enchères pour certains, etc., on travaille quand même avec les producteurs. Et le thé, l'année d'après, quand il est venu du Japon, il faut savoir qu'il était testé pour notre maison de thé. Il était testé là-bas, il était testé ici. Et donc, il y avait un taux d'acceptabilité de radioactivité, parce qu'après, il ne faut pas se leurrer. Dans votre kilo de patates, il y a de la radioactivité, hein, il y en a dans tout. Hein. Donc, que ce soit un taux qui soit non dangereux et acceptable. Qui a été très difficile, et ce que je comprends, c'est qu'en tant que consommateur, il y a beaucoup de gens qui aimaient les thés japonais et qui se sont détournés des thés japonais. Durant cette année-là, on a eu une très très grosse baisse de thé japonais. Ouais. Moi, je veux juste que vous sachiez, et c'est ce que je disais à mes clients, et parce que j'en étais vraiment convaincue, c'est que moi, je préférais boire, parce que moi, j'ai continué à boire du thé japonais. Il n'est pas né celui qui m'empêchera d'en boire, je vous le dis. Je préférais boire du thé japonais contrôlé que du thé chinois qui ne l'était pas. Parce que quand il y a eu ça, ça a créé... Ça, on est d'accord que quand il y a eu le problème de la centrale, ce n'est pas resté au Japon. C'est aller à côté. À côté, il y a la Chine. En Chine, ils ne vérifient pas. Ils ne contrôlent pas leur thé. Là où vous allez avoir et retrouver cette rigueur japonaise et ce côté... voilà, les Japonais, jamais ils accepteront qu'il y ait un thé pas qualitatif ou dangereux qui sorte de leur pays parce que ça reflète leur image, parce que ça va entacher leur image, etc., etc. Les Chinois, franchement, ils se posent pas autant de questions. Donc moi, je disais aux gens qui avaient des doutes, je leur disais, ben moi, je préfère quand même acheter un thé japonais qui aura été contrôlé au minimum 2 fois, et sur place, et en arrivant en France, qu'un thé japonais, c'est quand même pris là-bas. Jamais contrôlé et donc on ne saura jamais, même si évidemment le taux de radioactivité, on va dire, n'est pas la même. Tout à fait. Voilà pour la petite histoire de Fukushima. Tout à fait. J'en profite pour remercier Projet White pour le raid, c'est super sympa, et Skizzy pour le follow. Vous avez vu, j'ai réajusté un petit peu l'alerte box pour pas que ça empiète sur le visage de Saphir, donc du coup voilà, elle ne sera plus cachée par le crâne géant. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ces histoires de contrôle qualité. Ça me fait d'ailleurs repenser à un truc, un élément qu'on a oublié dans le thé, et c'est ballot parce que c'est quand même une des bases, et qui est très important aussi au Japon, c'est la qualité de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon... Mais tu as raison, nous n'en avons pas parlé, effectivement. Il faut savoir qu'au Japon, il y a quelque chose de très scrupuleux et très profondément ancré aussi de l'importance de la qualité de l'eau. Il y a beaucoup, si vous regardez dans les bases de la culture japonaise culinaire, la pureté de l'eau est essentielle parce que beaucoup de plats sont le riz notamment, et la qualité du riz se fait aussi par la qualité de l'eau dans laquelle il est cuit. Vous savez très bien que les restaurants qui vous proposent des sushis au Japon ne fonctionnent qu'à de l'eau de source, généralement. Et quand ils n'ont pas de source à proximité, j'ai vu, de mes yeux vus, des restaurants à Tokyo qui n'avaient pas d'eau de source à proximité,
cuisinée exclusivement à l'Evian importé de France. C'est pas une blague. Vous avez des packs d'Evian dans le frigo. Enfin, c'est impressionnant. Et du coup, la qualité de l'eau joue aussi sur la qualité du thé, ce qui est logique. Elle joue à deux niveaux. Elle joue dans sa conception. Comme on vous a dit, le thé est passé à la vapeur. C'est pas pour rien. L'eau sert aussi à irriguer les théiers, et donc du coup ça donne aussi une bonne qualité de production, et aussi dans la dégustation. Donc ça aussi c'est un composant qui est assez important dans cette équation-là, et c'est aussi pour ça que vraiment les Japonais sont hyper fiers de leur source d'eau, parce qu'elles sont vraiment quasiment pas altérées, elles ont été préservées, il y a un gros programme de préservation des réserves naturelles au Japon. Vous savez comment c'est peuplé le Japon. Je vous refais un rapide résumé. C'est un pays qui a 120 millions d'habitants. Hein, on est ouh, c'est l'explosion démographique. Mais elles sont toute cette population est rassemblée dans les zones urbaines qui sont à la périphérie sur les côtes du Japon. Le centre du Japon, les parties montagneuses, il n'y a personne. Il y a des milliers de kilomètres de forêt avec rien. Et du coup, ces sources qui se créent au niveau des montagnes, avant de rencontrer la main humaine, elles ont le temps d'en faire des kilomètres. Elles la conservent, leur pureté. La qualité de l'eau au Japon, c'est vital. C'est vraiment vital. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, alors je voulais montrer une petite photo déjà. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si on voit bien. Oui, ça va. Moyennement. Voilà. Les petits champs de thé au Japon, qui peuvent être du coup cultivés par des machines parce que c'est pas trop en pente. Et en Inde, pour que vous puissiez voir la différence du pourquoi la machine ne peut pas passer. Oui. C'est-à-dire que la machine, on n'a pas encore inventé la machine Dahu, qui a une patte plus courte que l'autre. C'est compliqué. Au niveau du thé, quand je travaillais à la boutique, j'avais la chance, chaque nouvelle récolte de printemps, que ce soit pour l'été japonais, alors je ne pouvais pas faire toutes les sessions, mais on avait une session pour l'été japonais, une session pour l'été indien, une session pour l'été chinois, voilà. On avait ce qu'on appelle, et les Darjeeling, on avait les récoltes de printemps qu'on pouvait déguster. Donc on avait les 20 lots qu'on allait vendre aux clients. Comme ce sont des thés qui sont assez onéreux, on partait en formation pour pouvoir les goûter et les vendre. On ne l'a pas fait sur des thés comme ça, mais faites l'expérience si vous voulez chez vous. Vous prenez votre thé habituel, vous prenez de l'eau filtrée, vous prenez de l'eau du robinet et vous prenez par exemple de l'eau départ. Vous allez voir que le goût n'a rien à voir. Mais ça peut vraiment changer complètement la qualité de votre thé. Et ça peut même, vous allez voir, si c'est de l'eau du robinet, quand vous allez avoir votre thé, ça le fait surtout avec du thé noir, vous allez voir, vous avez une espèce de pellicule au-dessus. Mmh. Et ben, c'est la réaction avec le calcaire, simplement. D'accord. C'est la réaction. Mmh. Et la même, alors quand on parle de qualité d'eau, c'est effectivement très important. Ce qui marche assez bien, c'est avec l'eau Volvic, du coup. Fait partie des eaux voilà, où ça marche bien le thé. Il y a aussi la température de l'eau, on l'a évoqué tout à l'heure, un petit peu rapidement. Ça, je ne sais pas si toutes les marques de thé le font, mais souvent sur les sachets, il y a écrit. Alors, après, attention, parce que pareil, dans certains thés de supermarché, le thé vert, ils vous disent mettez une eau à 90 degrés. Grand Dieu, ne faites pas ça, ça va être imbuvable. Vraiment. Il vaut mieux toujours une eau moins chaude que trop chaude pour votre thé, vraiment. Le thé noir supportera une eau plus chaude dans les 90 degrés. Par contre, le thé vert, à part le matcha 80 degrés, sinon on est plutôt sur 10 degrés. Mmh. Et alors, les thés blancs, ça peut même être 50 degrés. Voilà, parce que la feuille est beaucoup plus fragile. Et ça aussi, la cuisson de l'eau. On parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait comment on peut faire. Donc, il existe les thermomètres de cuisson. Vous pouvez faire aussi à l'ancienne, à la casserole. Quand ça commence à faire des petites bulles, c'est que c'est à 50. Quand ça commence à faire des plus grosses, c'est un peu plus approximatif, mais il y a ça. Par contre, s'il vous plaît, ne faites pas au micro-ondes. Ne faites pas au micro-ondes. Vraiment, ça donne un goût, l'eau au micro-ondes. Je ne peux pas. C'est vraiment... ça laisse un goût, je ne sais pas. Ça a vraiment... ça dénature, mais complètement. Vous avez beau acheter le meilleur thé qui soit avec de l'eau chauffé au micro-ondes, donc à température, on ne sait même pas ce que c'est la température, c'est pas bon. Ah. Oui, ouais. C'est ça, le thé vert à 90, t'as des épinards. Oui, c'est grosso modo, c'est l'idée. Hein, grosso modo, c'est l'idée.
Il y a... c'est dommage de perdre les vertus. Vous perdez les vertus en plus. Donc franchement, dommage. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je suis en train de voir. J'avais un autre truc à dire. J'essaie de m'en rappeler parce qu'on est passé de tellement de sujet en sujet, de liane en liane. Ce qui est super intéressant, hein. Il y a pas de danger là-dessus, mais alors, je me suis un peu paumé. Attends, j'essaie de retrouver un peu mes notes. Ah mince, je les ai. Là, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé, j'étais bête. Attends, je vais réouvrir tout ça. Tac, tac. Non, c'était. Il y a tout. Vous voyez, il y a vraiment une implication maintenant. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ça y est, ça m'est revenu au cerveau. Pour vous dire tout ce qui est culturellement aussi lié au thé, vous savez que. Il y a beaucoup de choses qui sont codifiées dans la société japonaise, de la politesse, des trucs comme ça, du quotidien, vraiment. Notamment, pour vous donner un exemple, il y a deux fois dans l'année, enfin il y a une fois dans l'année où c'est posé, il y a une fois occasionnellement dans l'année où les Japonais entre voisins se font des cadeaux. La première occasion, qui elle n'est pas régulière, c'est tout simplement quand vous déménagez. Quand vous arrivez dans une nouvelle maison, ce qui est un événement assez rare au Japon, parce que les Japonais déménagent peu. C'est vraiment quelque chose qui est pas courant. Il est de bon ton de se présenter à ses voisins, d'aller faire un tour et de se présenter à ses voisins en offrant un tout petit cadeau. Un truc pas d'une grosse valeur, mais en offrant un petit cadeau. Et bien, alors, du coup, quand vous vous installez dans un nouveau quartier, ça veut dire qu'il va falloir acheter masse de petits cadeaux. Et généralement, pour simplifier un peu les choses et pour faire un truc qu'on peut partager pour justement lier connaissance avec les gens et partager quelque chose avec eux, bah on s'offre du thé généralement. C'est pas le seul cadeau qu'on peut faire, mais c'est le cadeau le plus répandu. Donc vous avez des micro-paquets de thé qui doivent faire, je sais pas, 20-30 grammes à tout casser, qu'on s'offre, voilà, entre nouveaux voisins, pour dire, voilà, je viens de m'installer dans le quartier, je vous offre ça, et généralement, la suite logique, c'est que votre voisin qui vous offre le thé dit, bah, écoutez, on va le goûter tout de suite, installez-vous, posez-vous, on va papoter 2 minutes, et c'est comme ça qu'on construit le lien entre voisins. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu, ça fait, maintenant, ça fait à peu près 20-25 ans, que ça se fait moins parce que la société japonaise évolue comme toutes les sociétés, hein. Il y a un côté de plus en plus individualiste qui se développe globalement dans le monde entier, et du coup on a moins tendance à faire ce genre de choses, surtout les nouvelles générations, mais c'est quelque chose qui était fortement lié au lien social là-bas, qui permettait d'en créer, et puis qui permet de sympathiser. Vous voyez, par exemple, je vous donne cet exemple, cette boîte-là, cette boîte de thé doré, je l'ai pas achetée. Elle m'a été, celle-là, là, attendez, je vous la La montre. volée. Je l'ai volée, ouais. Celle-là, c'est pour ça qu'elle a été retapée, parce qu'elle a 14 ans, un truc comme ça. Elle m'a été offerte par la propriétaire de mon appartement quand j'habitais à Kodaira avec Philippe et Flo, tout simplement parce qu'on était allé se présenter au voisinage. Donc on était dans un immeuble, donc on avait to toqué un petit peu aux appartements de l'immeuble pour offrir des petits cadeaux, justement. Alors nous, on n'avait pas offert du thé, mais on avait offert d'autres trucs. Et on était tombé sur l'appartement du couple qui possédait l'immeuble, en fait. Et ils nous ont invités, ils nous ont offert du thé, et puis on a fait, oh, la boîte, elle est jolie. Et elle a fait, bah tiens, je t'offre la boîte pleine avec du thé dedans. Du coup, je l'ai gardée, je pense que je m'en séparerai jamais. Et ça nous a permis de lier l'amitié avec ses propriétaires. En fait, l'appartement, c'est un appartement qui était loué. Je ne sais pas si vous connaissez, quand vous allez au Japon, souvent pour une longue période, quand vous voulez louer un appartement, vous êtes étranger, il y a une société qui s'appelle Sakura House, qui vous propose des services de location plus ou moins longue durée. Ça peut aller à la semaine jusqu'à plusieurs mois. Et généralement, vous payez un prix un peu plus cher que ce que vous paierez normalement, mais ça vous permet de simplifier plein de démarches, c'est-à-dire qu'ils vous accompagnent surtout. Et il y avait deux ou trois appartements dans cet immeuble qui étaient régulièrement loués par Sakura House. Donc il y avait souvent des étrangers qui étaient là. Alors déjà, les propriétaires nous ont dit, bah, vous êtes les premiers qui suivent un peu la tradition, qui viennent apporter un petit cadeau, c'est vraiment cool de votre part. Généralement, les gens viennent, passent leur temps, repartent, on les croise quasiment jamais. Bah du coup ça nous fait plaisir, on va vous inviter, et du coup on est allé faire des visites du quartier, on s'est rendu compte que notre quartier historiquement était hyper riche parce qu'on nous a expliqué tout ça. Ça m'a valu deux ou trois cuites de l'enfer, mais ça, bon voilà, passons. Et c'était un petit élément comme ça. Donc il y a ce moment-là, et il y a aussi pour la nouvelle année, pour le Hakamashite Omedeto, où généralement on se fait des petits cadeaux aussi, alors pas seulement entre voisins, mais entre connaissances. Et alors là, pour le coup, c'est rigolo, c'est soit des sachets de thé,
soit des paquets de ramen, des paquets de ramen instantanés. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous voyez, c'est pas des trucs d'une grosse valeur financière, mais c'est juste pour montrer, voilà, qu'on se fait des cadeaux, qu'on s'apprécie. Donc le thé est vraiment rentré aussi là-dessus sur une valeur d'échange, parce que le thé, vous savez que ça a été pendant un moment historiquement, alors pas forcément au Japon, mais plutôt en Asie, une monnaie. Le thé, c'était une monnaie à un moment. Ça a une telle valeur que ça avait valeur fiduciaire. Et du coup, c'était un peu ce truc luxe qui était un peu réservé à l'élite au Japon, qui s'est très rapidement démocratisé et qui a développé cette idée de lien social à travers cette idée-là. Voilà. Mais de toute façon, quand on regarde l'histoire du thé à travers les différents pays du monde, c'était d'abord en priorité pour les personnes aisées. Ça a été pour la monarchie en Angleterre, parce qu'en fait, ils ont fait venir, ils ont récupéré de leur colonie du thé, mais c'était pour la reine, pour les ducs, etc. C'est qu'après que ça s'est vraiment, que c'est passé dans les classes, on va dire, plus basses. Mais au départ, c'était pas quelque chose. Et je trouve ça beau de voir comme ça a évolué, en fait, Tout à fait. par rapport à l'histoire. Et je tenais à vous montrer quelque chose. Alors, Vas-y. je n'ai pas en ma possession. Je l'ai toujours regardé, je ne l'ai jamais acheté. En parlant de boîtes de thé, vous avez ceci. Oh là là. C'est de Alors, l'écorce, ça. attends, Mets-toi bien ici, sur la caméra. Voilà. C'est de l'écorce, ça, alors, non? c'est une boîte de thé en écorce de cerisier brut. C'est magnifique. Quand vous touchez l'objet, enfin, il y a tout en fait qui est important. Et c'est là qu'on retrouve vraiment ce savoir-faire et cet art de vivre japonais, où il y a vraiment le souci, mais vous verrez, même pour les théières, il y a ce souci du détail, il y a ce souci du beau, il y a ce souci du pratique. Ça résume vraiment l'état d'esprit japonais. C'est beau et c'est pratique. Voilà. Tout à fait. C'est de là que vous voyez en fait ce qui est japonais, ce qui ne l'est pas. Ça se caractérise souvent comme ça. D'ailleurs, La tiens. bouilloire, j'ai vu la question. Ouais. Excuse-moi, je viens de voir. Vas-y, vas-y, vas-y. La bouilloire, c'est validé. Alors, c'est validé. Tout dépend de l'eau que tu mets dedans. Mais après, c'est validé. Je te conseille, parce que maintenant, on arrive à en trouver à des prix plus abordables, de prendre une bouilloire à température réglable. Tu as des bouilloires où tu peux choisir la température ou de 5 en 5, ou souvent c'est plutôt de 10 en 10. Et ça permet quand même de te donner quand même un petit peu une jauge pour pas trop. Voilà, tu bois un thé vert, tu la mets à 70. Tu bois un thé noir, tu la mets à 90. Si tu n'aimes pas que ce soit trop chaud, tu mets 80. Mais ça te permet de pouvoir jauger. Tu en as, on va dire, dans les 50 euros. À fait. Pour répondre à Guito, vous savez, quand on vend une paire de sushis à 8 euros la paire de sushis, on peut cuisiner à l'évian, il n'y a pas de problème. J'ai envie de vous dire, L'évian n'est plus un le problème. coût est largement absorbé. Tiens, je voudrais en profiter aussi pour tordre le cou à un truc. On dit, comme je vous disais, historiquement, c'est arrivé par les moines, le thé au Japon. Et on dit que ça a été bien des, ça s'est répandu à travers les guerriers, les daimyo et les samouraïs parce que on était dans une idée du zen, du calme intérieur, de tout ça. Alors, j'aimerais expliquer un truc parce que c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Mais on voit l'énervement, on Oui, on voit le sent l'énervement. l'énervement. Le zen, ça n'a jamais été le calme. Ça n'a jamais voulu dire être calme. Ça, c'est quelque chose, une connerie à la française. Le zen, c'est une mentalité qui a été développée pour rendre compatible l'activité guerrière et la religion. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de calme là-dedans. Il n'y a absolument rien de calme. C'est juste de dire on va trouver une religion qui va justifier qu'on va aller trancher des têtes. On en est là. Et du coup, on a dans la pratique du zen une idée de calme intérieur, parce que c'est une idée d'équilibre intérieur. Parce que quand on est dans le tourment de la bataille, il faut se rééquilibrer intérieurement, il faut se recentrer, et il faut aller chercher l'opposé du tumulte de la bataille, qui est le calme absolu, notamment le calme de la nature. Et on a souvent donné au thé la vertu d'être le moment de recentrage, le moment de calme du guerrier, avant d'entrer dans le tumulte de la bataille. Par contre, arrêtez, je vous en supplie, de dire que être zen, c'est être calme. Ça n'a rien à voir. C'est justement, si on est obligé d'aller chercher le calme absolu, ça veut dire que de l'autre côté, en équilibrage, on est dans la furie la plus totale. Donc,
Donc, arrêtez de croire ça. Et oui, le bouddhisme zen, il faut savoir c'est que au Japon, contrairement à l'Occident, à l'Europe notamment, la religion catholique qui s'est développée en Europe et qui a dominé l'Europe pendant un moment, arrivait avec des principes en disant vous vous adaptez à ces principes. La religion, quand elle est arrivée au Japon, on lui a dit tu fais quoi toi? C'est quoi tes principes? Et c'est plutôt la religion qui s'est adaptée au mode de vie. En fait, ça s'est passé un peu plus comme ça, parce que les Japonais n'ont jamais eu ressenti un besoin fondamental d'une religion. Ils avaient déjà localement ce qu'on a ensuite regroupé dans le shintoïsme. On en reparlera parce que ça c'est super intéressant, ça mériterait une émission, qui est une sorte d'animisme qui croit en des esprits naturels et qui croit en une puissance de la nature qui se représente sous diverses formes. Mais il n'y avait pas besoin d'avoir un dieu unique, d'avoir un truc comme ça, d'avoir une notion d'enfer, de paradis. Ça, c'est arrivé bien plus tard. C'est arrivé justement avec le bouddhisme, qui est arrivé lui aussi de Chine. Hein, ça fait partie des imports. Et du coup, ça s'est un peu adapté. Et c'est pareil, quand le christianisme a essayé de s'implanter au Japon, et ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin, les jésuites. Je vous le garantis, ils sont pas arrivés en disant eh, non, c'est Jésus, les gars, maintenant. Hein, stop, on arrête tout. Hein, c'est Jésus, c'est tout. Hein. Les gars, ils ont regardé, ils font, non, non, c'est d'abord l'empereur. Après, tu vas nous parler du mec Jésus, on va voir comment on l'intègre. Mais d'abord, c'est l'empereur. Et ça s'est passé comme ça. Mais y a beaucoup de choses qui sont difficiles à envisager de notre côté parce qu'on baigne dans une culture qui nous donne un filtre, qui nous met un filtre devant les yeux, qui nous fait, en fait, tout simplement, concevoir les autres cultures à travers ce filtre-là. Le Japon est tellement à l'opposé, comme d'autres pays, hein, c'est pas le seul pays dans ce cas-là, attention, hein, c'est vraiment là on parle du Japon, donc on centre là-dessus. Mais le Japon est tellement un pays qui a évolué dans un bain de culture qui est totalement différent, dans une manière d'envisager les choses qui est tellement différente, que c'est compliqué de le juger par rapport à nos critères de valeur à nous. Et souvent, bah, on essaye de s'approprier les trucs, d'y piocher ce que nous on y comprend. En occultant une partie, et du coup, on acquiert des concepts qui sont souvent bah, galvaudés et souvent très incomplets. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation profonde, on l'a dit avec Saphir, entre la hiérarchie de la société, entre les liens sociaux, entre la religion, entre les rapports de force et le thé au Japon, parce que le thé a été un vecteur de tout ça, ça a été un moyen, un outil de tout ça. Le thé s'est vraiment implanté là-dessus, mais nous, on en a retenu une chose, c'est-à-dire que, et encore à l'heure actuelle, Saphir donne très bien l'exemple avec les nanas qui arrivent au magasin en disant je veux du matcha pour les antioxydants, ben, tout simplement parce que ce qu'elles ont retenu du matcha, c'est pas la qualité gustative du produit, c'est pas le pourquoi c'est important d'avoir toutes ces étapes dans l'élaboration de ce produit. Tout ce qu'elles en veulent, c'est ce qu'elles pensent être intéressant, c'est-à-dire la molécule magique qui va les faire maigrir, qui va leur donner une belle peau, et puis on ne sait jamais qui va leur faire péter des arcs-en-ciel. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc voyez un petit peu ce concept-là autour de tout ça. Je suis désolé, je pars très très loin, hein, Saphir. Non, mais effectivement, c'est aussi, il y a le thé, il y a le Ryokusha Midori, qu'on appelle le thé des samouraïs, parce que justement, il est énergisant, mais pas énervant. Je pense que ça rejoint cet aspect-là que tu disais par rapport au zen, etc. C'est pas être zen, c'est justement trouver cet équilibre entre être maintenu psychologiquement éveillé sans être énervé, en fait. Exactement. Et ça veut pas dire être dans un état de yéyé, de tout le monde est beau, je suis zen. Voilà, je te rejoins là-dessus sur la définition du zen un ouais. petit peu renversée, dirons-nous. Ben on a, comment te dire, notre enseignement vient de la même personne, on lui rendra hommage. C'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons eu le. La même Nous avons prof. eu Hein. les mêmes. Les mêmes. Il y en a un, je le retiendrai beaucoup moins, mais. Mais on l'a eu quand même. Mais oui, on l'a eu le DD, on l'a eu. Donc voilà. Donc j'espère que pour vous c'est cool. On en est où là? On est à peu près arrivé. Oui, on a passé le petit cap. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Et puis après, on va rendre l'antenne parce que moi je trouve que cette émission était vraiment cool. Alors, je vous laisse 2 petites minutes. Je vais vous donner le planning. Donc demain,
Demain. Du coup, on va déplacer Metallicraft parce qu'il faut que je passe effectivement à Aix-en-Provence. Donc, je vais le faire le matin. Je pense que je vais le faire tôt. Je pense que je vais le faire soit en 8h30, soit à 9h. Je vais l'enregistrer. Du coup, vous aurez le replay toute la journée sur la chaîne si vous voulez le voir. Donc, il n'y a pas de problème. Le soir, évidemment, là, je ne louperai ça pour rien au monde. 21h, Omega Clash avec l'ami Omegazelle. Hein, il est chaud, il est chaud. Plus on a travaillé un peu en amont, on a des sujets, mes amis, du bonheur en barre. Et on ne sera même pas obligé de parler de notre cher ami qui se soigne au pastis, hein, notre homme politique de génie qui se soigne au pastis. Hein, voilà, monsieur de Villiers, des bisous aussi. Ensuite, du coup, je vais être à Aix demain et après-demain parce que bah, jeudi soir, on a émission sur le tatou. Et on va rester dans la thématique de la semaine. On était sur le thé japonais, on va être sur le tatouage japonais avec Yosh. Et là, du coup, c'est en direct de chez toi, Saphir. Donc, je suis désolé, on débarque, hein, Manu Militari. On ramènera des trucs. Si j'arrive à trouver une bière au matcha, je t'en ramène. À protester. On va essayer ça. Et puis ensuite, fin de semaine, ça va être beaucoup plus calme sur ma chaîne parce que tout simplement, je vais partir très très loin. Vendredi, je pars à Pézenas. Eh oui, j'ai passé un week-end à Pézenas, donc c'est du côté de Montpellier, et je serai pas là, et je reviens donc lundi avec un nouveau programme. Saphir, ton programme à toi, c'est quoi? Ah ben là, ça va être un peu plus calme hein, parce que je vais peut-être pas streamer tous les soirs non plus. Ah bah alors! Non, moi là, il n'y a pas de stream de prévu, si ce n'est bah, le lundi soir avec Omegazelle hein, pour les petites séances de chatting. Après, moi, je vais commencer à prendre mes petites photos de thé pour les mettre. Ça, par contre, ce sera plutôt sur Instagram pour faire des petits suivis de thé et des petits conseils de thé. Et sinon, je pense que je vais préparer, mais ça, faudra voir quand est-ce qu'on peut le planifier avec Julien. Je pense que je vais peut-être faire une petite émission de cuisine, mais sur le matcha. Faire D'accord. une préparation de recette, voilà, au matcha. Donc ça, Tu ce sera. fais ton émission de cuisine à toi ou tu fais une émission régène avec l'équipe de Noob? Non, non, ce sera à part. Je ne fais D'accord. pas avec eux. Je sais qu'ils vont faire leur. Il y aura déjà beaucoup à faire. Non Ce mais sera pas le en moment où tout tu me cas. sors les ribs au matcha, je trouve qu'on est pas très loin de la réalité quand Ah, écoute, moi je dis, ils n'ont pas osé le faire. Pourquoi on n'oserait pas nous, tu vois? Ça On peut se toujours tente, essayer. ça se tente, ça Ça se se tente. tente. Bah écoute, si tu veux, tiens, je vais le faire immédiatement. Si tu Ah non, je peux pas le faire parce que j'étais en vidéo dessus. Je vais t'inviter après l'émission, je t'enverrai un petit lien d'invitation sur le Discord de la chaîne. Du coup, si tu as de l'actualité liée justement au thé, tout ça, tu pourras les poster dessus, ça avec grand plaisir. Tu verras, c'est une chaîne, comment te dire, un Discord qui est très japonisant. Tu trouveras tes marques très très vite, les quartiers sont bien répartis. Je pense que tu trouveras le tien sans problème. Ça marche. Tu te sentiras à la maison. Il y avait une dernière question qui vient de Miss Parker qui demande des conseils sur un site français pour commander ou trouver du thé. Alors, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Après, moi, je ne les ai pas forcément tous essayés. Bah, moi, c'est la marque pour laquelle j'ai travaillé, forcément, Palais d'été. Vous allez avoir bah, plein de thés différents et assez qualitatifs et un petit peu tous les prix. Vous allez avoir aussi Daman, qui est une très belle maison de thé. Après, vous allez avoir les choses que j'appelle, comment dire, un petit peu plus. Je ne sais pas comment le qualifier parce que ce n'est pas du tout péjoratif, mais plus marketing, on va dire. Vous avez Pandati, qui est une marque faite par un pharmacien français. Mais ça, par contre, c'est une marque que j'ai jamais goûtée. Et vous avez Kousmi, qui a été racheté. Mais donc, où là, ça va être. Voilà. Bah, c'est bon en marque de thé. Moi, j'ai pas travaillé pour eux. Donc, je ne sais pas comment ils travaillent, etc. Vous pouvez avoir des goûts sympas, originaux. Après, c'est vrai que au niveau des prix. Moi, je trouve qu'ils sont quand même un petit peu chers. Je pense que tu payes quand même le packaging. Bah, bien sûr que tu payes le packaging. Ouais, C'est une parce évidence. que voilà, le packaging, je pense que tu le payes quand même pas mal. Je l'ai vu sur. Moi, en toute honnêteté, j'ai testé un thé japonais chez eux, Lambda. Le prix qu'ils le vendaient, tu payes clairement le packaging. Voilà. Mais après, par contre, ils ont des associations de thés parfumés qui sont originaux. Bon, bah c'est bon, mais il faut savoir que.
Tu payes le packaging. Cosmi, tu payes le packaging, tu payes le marketing, tu payes le développement des vending machines à thé qu'ils ont développées, des trucs comme ça. Non, après, c'est sûr qu'ils font des thèmes. Ils avaient sorti Voilà. la super boîte avec le petit nœud de marin, le pompon, le machin et tout. C'est joli, mais vraiment, le packaging, tu le payes, quoi. Ça, c'est clair et net. Moi, j'avoue que jusqu'à un certain temps, je me fournissais la plupart du temps en salon parce que ma consommation de thé me permettait. J'avais, quand j'étais encore sur Paris, un ou deux magasins qui étaient aussi torréfacteurs de café été, donc j'allais prendre là-bas. Maintenant que les salons, il n'y en a quasiment plus, bah, c'est compliqué. Du coup, je vais au palais d'été, tout simplement, parce que c'est là où j'arrive à trouver les genres de thé qui me plaisent. Et voilà. Donc, c'est plutôt cool là-dessus. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie d'ailleurs les deux derniers follow là qui sont arrivés en striker en fin de live, qui sont arrivés genre hey, nous on va follower au dernier moment. Merci beaucoup d'être venu. Il y a Maxence de Luce, mais ça serait pas quelqu'un qu'on connaît ça, Saphir? C'est pas le même? Non, non, C'est pas c'est le pas tien? lui, il s'appelle C'est pas pas le comme tien? ça. Non, c'est pas le mien. C'est pas le tien. Et Terius, ben merci beaucoup. Vous êtes le 819 et le 821e follower. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Saphir. C'était vraiment cool. Ben, j'espère qu'on Ben, merci à pourra, toi voilà, à pour cette l'occasion, sur une autre invitation. thématique. Ben, grand plaisir. Avec plaisir. J'ai bien noté sur ma petite liste qu'il fallait te ramener le bol à matcha et qu'il fallait te ramener éventuellement d'autres petits accessoires pour préparer le matcha. C'est bien noté pour le prochain voyage. Il n'y a pas de souci. Eh bien, on se dit à très bientôt. Du coup, chez toi, après-demain soir. Et merci à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. À demain matin pour Metallicraft Lego. À plus! Bonne soirée à tous!